Bonsoir à tous. Euh, bienvenue pour cette troisième et dernière conférence du cycle euh, Satellite les images de la science-fiction, donc euh, qui s'intéresse aux représentations, mythes et tropes de la science-fiction moderne. On va s'intéresser aujourd'hui, donc euh, après euh, avoir un peu exploré la simulation avec Matrix, les fantômes japonais qui euh, sont dans, dans nos téléphones, on va désormais euh, s'intéresser aux mechas, donc ces robots géants euh, qui se tapent sur la tronche, notamment dans les animés japonais. On va voilà, revenir sur cette riche histoire de la, de la science-fiction. Et euh, ce soir, j'ai avec moi donc euh, Fleur Hopkins, donc, qui est euh, docteur, doctorante en art très bientôt, euh, et qui travaille notamment sur le merveilleux scientifique donc sur une histoire de la science-fiction. Et euh, tu as notamment été euh, commissaire à la Bibliothèque nationale française pour une exposition sur le, le merveilleux scientifique. Donc voilà, donc euh, tu as une, une connaissance du méca euh, approfondie sur le sujet. On a également avec nous Alexandra Aine qui est docteur en graphic design, en, en art, voilà, qui s'est intéressée notamment au graphic design et au manga studies, et qui voilà, va pouvoir nous éclairer avec un, un tas de références de, de cette riche histoire donc, du, du mecha. Puisque euh, on va vous le confesser immédiatement, il est hors de question et hors de propos d'être exhaustif ce soir. Euh, vous connaissez sans doute Gundam, c'est impossible euh, de euh, citer évidemment toutes les aspérités de, euh, de ce genre, de la science-fiction, mais on va tâcher, en tout cas ce soir, de vous dresser un portrait de ce qu'est le Mecha, de ce qu'il raconte, et surtout de ce que les, les, leurs pilotes ont à nous dire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien on va peut-être regarder une petite... Euh, une petite séquence qui compile, euh, voilà, ce, 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 ce qu'est le méca dans l'imaginaire collectif. Je vous laisse découvrir. Alors, trois extraits, donc euh, pour vous donner les références, le premier, Mobile Suit Gundam euh, Double Z, donc de 1986. Ensuite, Mazinger Z, euh, donc qui est un, un pilier de l'histoire du, du robot animé. Euh, donc, euh, mais alors, Mazinger Z Infinity, qui est un film sorti en 2017. Et le troisième, Majestic Prince, et j'ai oublié le. Je crois que c'est 2007, si je ne m'abuse, 2013 peut-être. Voilà, je n'ai plus euh, la date exacte. Et donc, alors. Moi, j'ai tout de suite envie de vous poser la, la, la question fourbe, euh, qui est simplement de savoir d'où nous vient cette idée, euh, proprement euh, japonaise, en tout cas dans ces productions-là, de euh, piloter des robots géants pour euh, se taper sur la tronche dans des, terra dans des, dans des terrains vagues. Alors, c'est parfait. Euh... Alors, pour ma part, je dirais que ça vient de plusieurs facteurs. Euh, alors je reprendrai Jean-Marie Wissou, qui est un spécialiste de l'histoire du manga, qui a expliqué grosso modo qu'il faut revenir à la naissance du manga moderne et euh, généralement le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je pense qu'on va en parler plus amplement un petit peu après. Mais euh, grosso modo, il faut se remettre en contexte que bah, le, après la guerre, bah, le Japon a suivi une humiliation et une défaite, plus deux bombes atomiques, euh, l'occupation de la mer américaine. Et s'en sont suivis justement famine, pauvreté et euh, une perte des valeurs et des repères, puisqu'ils se sont aperçus que l'empereur n'était pas un dieu, qu'il pouvait perdre. Donc, euh, justement, toutes les valeurs enquelles militaristes il croyait à l'époque se, se sont un peu effondrées. À partir de là, euh, donc il y a de cette remise en question, euh, Jean-Marie Bouissot, lui, il voit deux grandes sections narratives qui émergent justement en 1947 avec la naissance du manga moderne. La première, la version apocalyptique qu'on connaît notamment avec Akira, où on a d'un côté euh, des jeunes orphelins survivants qui essayent de, de lutter dans un monde post-apo euh, face à la faillite des adultes, et de l'autre, euh, celui où on a une invasion qui peut être du Japon, de la planète Terre, de l'univers, de ce que vous voulez, face à des entités euh, autres euh, et auxquelles des adolescents, généralement, encore une fois orphelins, euh, vont combattre à l'aide de gros robots. Euh, justement, et pour essayer de gagner la guerre que leurs pères, enfin les parents, les adultes, eux, n'avaient pas pu gagner. Donc là, c'est une première, on va dire, démarche euh, du, tro du, du trop-plein, euh, du traumatisme. Après ça, il y a aussi le fait que, comme les, les Japonais ont été occupés par l'armée américaine, il y a eu une nouvelle refonte des valeurs. Euh, justement, euh, avec justement une, une fascination pour la technologie juste, qui, euh, bah, qui s'était prise sur la tête avec les, les deux bombes, euh, mais la technologie pour faire le bien. Donc, on va avoir la, la naissance justement du qu'il considéré comme le premier mecha qui était Tsujin, qui était en 56 ou 57, euh, qui est commandé par un petit garçon à l'aide d'une télécommande. Et le petit garçon ne va pas aller faire la guerre avec le robot, mais va le mettre au service de la veuve et de l'orphelin et, et aider des personnes en difficulté, genre arrêter des voleurs ou ce genre de choses. Donc, là, on se met, les Japonais se mettent en tête d'utiliser la technologie pour. Euh, aller euh, défendre mais pas attaquer, puisque à partir de là, le Japon devient profondément antimilitariste, en tout cas pacifique, et c'est inscrit d'ailleurs dans, dans l'article 9 de leur euh, constitution, c'est ça, où justement euh, ils sont démilitarisés, ils n'ont droit qu'à des forces d'autodéfense, donc ils ont droit de se défendre mais non pas d'attaquer ou d'entrer dans, dans un conflit. C'est ce que font généralement les, les mecas, ils sont là pour défendre quelque chose et non pas attaquer. Donc voilà, il y a ce, cette connivence-là avec euh, le MECA, puis après qui s'est développé, effectivement, parce que le MECA a beaucoup évolué dans les 30 ans, euh, depuis euh, les années 50 jusqu'à aujourd'hui. On, on va voir qu'il y a beaucoup d'élitérations du MECA. Alors justement, donc, tu viens de citer donc, euh, Tetsujin 28, qui est donc ce que vous voyez à l'écran, ce petit garçon qui pilote un, un, un robot géant avec, euh, avec une petite manette. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous parler justement des, des, comment dire, du premier euh, choc mecha, c'est-à-dire euh, dans les années 70 avec l'arrivée de Gundam par exemple ou Mazinger Z Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous, nous expliquer d'où vient voilà, ce succès populaire du mecha euh, co Comment ça se fait qu'on a eu une, une, comment dire, une, un tel mouvement, un, un tel attrait pour ces robots géants en fait, Puisque là, on le voit bien, c'est un petit garçon qui pilote un. un un robot dans un style assez cartoon, assez, assez enfantin, mais on va vite virer vers le manga un peu plus, euh, un peu plus shonen, un peu plus euh, bourrin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Ok. Euh, bah, y a pour le, le côté Gundam, bon, Gundam, il est né plutôt à la fin des années 70-80. Après, il y avait Mazinger Z avant. Euh, Puisque ça a été bah, une des premières évolutions, enfin les deux ont été deux grandes évolutions. Le premier, c'est pour mettre le, bah, le pilote, le Mazinger ou le Grey Mazinger ou le Grandizer, le mettre, le, fin, du Gonagai, grosso modo, pour mettre du, du pilote à l'intérieur d'une méca et non plus à l'extérieur. Euh, et le Gundam, c'était pour avoir une, une autre vision, on va dire, de la guerre avec un message plutôt antimilitariste, enfin pas tout le temps, mais assez dilué où on montrait euh, les ennemis, non pas nécessairement comme des entités extraterrestres dont on ne sait pas grand-chose, ou, ou très très méchantes, euh, c'était juste des humains face à d'autres humains qui se tapaient dessus pour des, des conflits euh, politiques, et donc on voyait en général les, les deux côtés de la balance avec euh, les morts et les problèmes que la guerre pouvait engendrer. Donc c'était... Euh, comme je disais tout à l'heure, une autre vision en fait. À chaque fois, on a une vision un peu plus élargie du, de la problématique toujours encore liée au traumatisme de la guerre avec, euh, selon les animés ou les, les mangas, un message plus ou moins voyant sur euh, bah, le, le rapport au, au mecha, à la machine avec euh, le rapport à, à la technologie de manière générale euh, et surtout euh, le rapport à, à l'autre. Donc voilà, ouais, on est vraiment dans ces... Euh, là, je vous montre quelques images. Évidemment, là, Goldorak. Euh, donc vous avez plusieurs représentations. Donc voilà, on est vraiment dans ces, euh, dans ces robots, la Gundam dont tu parlais à l'instant. Voilà, on est vraiment dans des représentations assez classiques. Alors, je m'excuse par avance, il y, y, y a un montage de l'exposition SpaceShip qui commence le 7 juillet, donc euh, au, au premier étage. Donc on aura des, des petits bruits de perceuses, mais euh, voilà, ça devrait aller. On a donc voilà Mazinger Z. Donc voilà, ça c'est vraiment les piliers de, euh, du robot animé, du robot animé, voilà, ce, ce, ce genre qui met en avant les mechas. Donc voilà, là on vous montre quelques illustrations traditionnelles, quelques, euh, quelques mechas traditionnels. Et alors j'ai un, un exemple contre exemple qui va nous amener vers une, une deuxième question sur le mecha, un peu pour poser les bases de nos, pour poser nos définitions de ce soir. C'est le cas Transformers. Alors, le cas Transformers, il pose, euh, il pose question, puisque euh, tu parlais tout à l'heure de récits de jeunes orphelins de guerre. Et, euh, et c'est vrai que le, le mecha a tendance à mettre en avant des. Bah, comme encore aujourd'hui, les mangas ont, ont, ont tendance à mettre en avant des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont pris dans des, dans des aventures. Et, euh, et donc, le mecha raconte cette histoire de pilotage. De, euh, un jeune pilote, un jeune adolescent va, être dans, euh, va entrer dans un mecha pour euh, vivre des aventures. Mais Transformers, euh, le, le Transformers n'est a priori pas pilotable. En tout cas, il est, euh, euh, on n'entre pas dans un Transformers comme on entrerait dans un Gundam. Alors du coup, il y a déjà une frontière. Est-ce que vous, euh, vous pouvez un peu nous parler de cette, euh, de cette question de la frontière dans le méca Qu'est-ce qu'un méca, en fait, simplement qu on qu'on pouvait peut-être même revenir au terme du robot, parce qu'on l'a employé depuis le début. Et c'est un terme qui est extrêmement problématique dans sa définition, parce que le thème robot, il n'apparaît que dans les années 1920, euh, sous la plume de Karel Tchapek dans sa pièce de théâtre Rour. Et on a tendance aujourd'hui, quand on définit le robot, à imaginer un être, euh, pardon, un être mécanique, un être de fer, un, un être qui n'a peut-être pas de sentience. Enfin, les, les définitions varient. Mais dans la pièce de théâtre de Karel Tchapek, c'est véritablement des êtres biologiques des hommes artificiels et non pas des êtres mécaniques. Donc déjà, il faut s'entendre un peu sur ce qu'on entend euh, derrière le, le terme robot. On avait vu l'exemple effectivement de Tetsujin Tetsu 28 où on a une alimentation qui est liée à une télécommande. On avait vu un peu plus tôt où le robot n'a donc pas de... il est presque téléguidé. Et on a vu Mazinger après qui va marquer vraiment un point de rupture où le pilote rentre dans sa tête et c'est vraiment lui qui, dans une certaine mesure, euh, commande, commande les, les, les mouvements euh, du robot. Et une des questions qui, vont, qui va être prégnante tout au long de la présentation, c'est de savoir si le, le, le personnage euh, robotique, le personnage mécanique est sentient. Est-ce qu'il est biomécanique Est-ce qu'il est bioorganique qu bio On va voir que c'est une difficulté qui va être persistante. Et dès lors, est-ce qu'on peut intégrer ou pas à nos préoccupations euh, tout ce qui va être euh, des Transformers, ce qui va être aussi euh, les, les, le robot géant de Power Rangers Dès lors qu'il y a fusion, qu'il y a rencontre de corps mécaniques, il me semble qu'on avait choisi peut-être d'intégrer ces modèles-là à notre typologie parce qu'on est effectivement dans. Dans une fusion mécanique, c'est lié aussi à un combat, on a tout ce vocabulaire visuel qui est recyclé. Donc je pense qu'effectivement on peut l'intégrer à nos questionnements. Oui, justement, donc ce soir de toute manière, on va être comme d'habitude avec satellite dans une exploration des mythes et des tropes, donc on ira vers la frontière, vers des points qui sont voilà un peu plus ambigus. Euh, à la fois méca et en même temps euh, robot au sens plus traditionnel du terme. Voilà, on va un peu flirter avec les, les, les frontières de ces représentations. Alors quelques exemples d'abord de bah, justement robots, androïdes euh, ou corps artificiels euh, qui posent question puisque euh, on pourrait être dans du méca et là méca freezer, je veux dire c'est dans le nom et pourtant et pourtant on n'est pas dans du méca au sens en tout cas qu'on l'emploie ce soir. Donc Alita, donc euh, voilà, être artificiel, On a du Ghost in the Shell, voilà. Est-ce que c'est du méca Est-ce qu'une âme dans un corps machinique euh, c'est du méca Voilà. Bon, euh, encore une fois, ce soir, on va pas du tout répondre à la question de manière ferme, mais on vous propose des représentations qui jouent sur cette question-là et qui interrogent bah, précisément l'humanité euh, et le, le devenir des jeunes pilotes. On va, on va voir ça de toute manière tout au long de la soirée. Quelques exemples encore, donc alors là euh, de Horizon, euh, où ce sont donc des, des, voilà, des, des, des gros robots euh, mi-dinosaures, mi cheval enfin c'est pas très clair. Euh, et voilà, là aussi, euh, dans ce jeu, on peut les pirater pour les chevaucher. Dans ce cas, on est dans un rapport animal avec le mecha. Et pas tant dans un rapport mécanique où on entrerait dans un, dans une, dans un cockpit pour le piloter directement. Voilà. Donc on, on va jouer avec ce soir avec ces frontières-là pour un peu interroger à la fois ce qu'est le méca et ce qu'il peut raconter. Voilà, un, un jeune pilote qui chevauche un zoid. Euh, donc voilà, à forme animale. Donc voilà, on va on va un peu explorer tout ça. Et, euh, et voilà, est-ce que vous avez des exemples un peu de, 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 de pour, pour dresser un peu une topologie de, 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 des différents mécas qui a Là, effectivement, il y en a plusieurs puisqu'on on a le, le fameux méca animal avec les zoïdes. Alors, il y a plusieurs typologies de zoïdes. dans tout dépend des séries. C'est Genesis ou Wild. Alors, de souvenir dans Genesis, les pilotes sont à l'intérieur de ces mécas-là. Alors que dans Wild, je crois que c'est cette série-ci, euh, les personnages, les chevauchent directement. Donc, en fait, chaque méca, c'est assez particulier puisque ils ont chacun, ce sont des animaux, ont leur spécificité. Euh, leur propriété, mais euh, en même temps, on les considère plus ou moins comme des animaux mécaniques qui vivent dans la nature, qu pas, avec qui on forme un lien, je ne vais pas dire jusqu'à Pokémon, puisqu'on ne les capture pas nécessairement. Et grâce à ce lien, ce, on, on arrive à le pilote arrive à dépasser les capacités de l'animal qui, qui les chevauche et à libérer euh, des pouvoirs spéciaux, en tout cas des capacités particulières. Sachant que le, le Zoid reste quand même mécanique, puisqu'il a besoin, euh, ben, besoin d'entretien, comme, euh, comme n'importe quel robot. Donc c'est à la fois animal, mais mécanique, il y a quand même un, un pilote, donc c'est il y a toujours une frontière un peu floue. Après, il y a plein d'autres mécas qui ont leur, plus ou moins leur propre manière de penser, parce que des fois, on a le, juste le robot comme outil, enfin le pilotable juste qu'il qui, qui, qui a juste comme un outil, un peu comme Patelabor. Et d'autres qui ont plus ou moins une conscience, donc on le verra, donc qui peuvent agir de même sans le pilote ou avec le pilote ou contrer le pilote ou défaillir au pilote, rentrer en mode berserk ou voilà. Euh, on a des, dans Ghost in the Shell justement les Fushikoma et les Tachikoma qui ont leur propre conscience, mais on peut voir que bah, les, le major et son équipe peuvent les piloter, sont à l'intérieur. Donc les peuvent... Par les communiquent entre eux, on voit qu'ils ont une sorte de personnalité, mais en même temps on peut les piloter de l'intérieur. Euh, même chose, y a, on a parlé tout à l'heure de Voltron ou des Transformers ce et autres, on a le, le méca transformable. Donc, dans le cas de Voltron, qui est un reboot américain d'un mix de différentes séries japonaises que les Américains avaient achetées, euh, on a des, des méca animaux. Tigre qui fusionne en un plus gros mecha qui lui est de forme humanoïde. Après, on a aussi euh, les mécas euh, qui sont voitures ou motos comme rideback et euh, qui se transforment en, en méca. Après, il y, y a le, le gigantesque mecha, il y a les plus petits mecha, euh, et puis il y a effectivement la, la disparité. ce qu'on appelle les. J'aime beaucoup celui-là. Oui, euh... avec basquash, oui, bon, c'est des mécas qui font du basket. Donc pas savent sauve, comme je disais, il sauve aussi la Terre à un moment donné, donc ça va, on reste dans la thématique cas euh, Mais euh, effectivement, y a, est -ce il est-ce qu'il y a besoin d'un pilote Est-ce que des fois il est à l'intérieur, des fois il est à l'extérieur, des fois, comme on disait, il est mécanique, des fois il est pas tant que ça euh, donc des, par, effectivement, par moment, la frontière, elle est un petit peu floue. Après, il euh, y a des, des typologies de make-up, parce qu'ils parlent des real robots et des super robots. Donc effectivement, les premiers, les mazinger, c'est plutôt des, ce qu'ils appellent les super robots, parce qu'on est très dans le gigantisme, alors que les real robots, comme le, le nom l'indique, on est plus dans Une certaine forme de réalité, c'est à dire qu'il est euh, mécanique, euh, fait en, en production de masse généralement, fait pour la guerre. C'est un outil, faut l'entretenir. Il a, il a des limitations, et par exemple, il a besoin de carburant, il faut lui recharger les armes. Euh, il n'est pas censé avoir une âme ou quoi que ce soit. Faut des pilotes militaires éventuellement euh, pour les piloter euh, et on qui sont généralement mis dans des des séries qui ont une tendance plutôt on va dire réaliste entre guillemets avec euh, des, des termes très militaires alors que le super robot c'est plus euh, à la Grand Lagan on va aller toujours plus loin dans la démesure des attaques euh, des, euh, des tas de, de noms complètement voilà à la grenagan avec toujours plus loin toujours plus gros des lasers euh, ça, le robot marche à la volonté donc c'est pas du tout la même chose il y a cette question de la taille aussi qui est importante, euh, toujours dans notre travail de définition un peu préambulaire. Euh, C'est euh, bah justement, alors, est-ce que euh, la différence peut-être entre un exosquelette ou une armure et un mecha euh, je, vais, je vais commencer avec un exemple assez connu, celui de euh, D.Va d'Overwatch, euh, qui pour le coup, alors là, on est dans, 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 traditionnellement dans un mecha, clairement, euh, ça y fait référence, euh, et pourtant, on est dans un tout petit mecha. Mais dans ce cas, voilà, est-ce que. Quelle est la frontière Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous parler du gigantisme, de cette question du gigantisme et de la course à la, comme tu l'évoquais, la course à la puissance qu'on a dans Gurren Lagan, mais, euh, mais avec la taille des mécas Est-ce que la taille, ça compte chez un méca je pense qu'effectivement, l'exemple de Gurren Lagan est à propos parce qu'on est dans, elle le disait très bien Alexandra, dans un excès. On a même un, un hubris du robot au fur et à mesure des épisodes. Où on va finir quand même par des robots qui se jettent des galaxies à la figure pour le, le combat ultime. Donc vous connaissez peut-être la fin. Mais je... c'est très compliqué cette typologie parce qu'effectivement, on aurait envie d'intégrer certains exosquelettes dans la nature méca alors même que très souvent le corps est à l'extérieur. Et ça va être une, une prolongation euh, plus anthropotechnie, où les bras sont prolongés, les jambes sont prolongées. Et il n'y a pas surtout ce qui va devenir un critère déterminant dans la suite de notre présentation, la question de la symbiose, de la fusion avec l'être mécanique. Parce qu'un trait persistant qu'on va rencontrer dans différents extraits, ça va être que quand le, le, le robot, le méca, parce que là je dis robot, c'est encore un, un type de langage, du coup, le méca est blessé. Le pilote a la sensation, par exemple, d'être blessé. Et peut-être que ça, c'est un trait distinctif qu'on pourrait vraiment euh, mettre en exergue pour différencier le méca d'un exosquelette, d'une augmentation, d'un outil quelque part. Alors que le méca est plus qu'un outil. Ça va être certes un moyen de transport, un moyen de combat, mais il y a souvent un lien affectif extrêmement fort. Il va y avoir notamment la question de la dénomination qu'on va réévoquer par la suite. On donne un nom au méca et c'est pas un nom anodin. C'est aussi pas n'importe quel pilote qui peut euh, à la fois faire la découverte du méca être élu par lui et être reconnu par lui il y aura aussi euh, la question de l'innovation du méca qui au fil des épisodes va être améliorée va acquérir des capacités suivant aussi le pilote qui l'habite et il faudra un travail d'adaptation et, et, et dès lors il y aura aussi la question de est ce que le méca n'est pas un personnage à part entière avec une histoire qui lui est propre? Et un trait aussi très troublant et caractéristique dans, dans certains, certains éléments du, du corpus qu'on qu évoque ce soir, je pense notamment à Eureka Seven, on va avoir des cas très troublants de euh, mechas qui sont bio-organiques et où euh, les personnages vont par, par exemple avoir trouvé un exosquelette euh, au fond des coraux et ce sont les hommes qui vont surajouter justement un exosquelette, cette fois euh, mécanique, pour faire un robot, un mecha terminé. Donc, le gigantisme, effectivement, pour revenir à cette question de base, ça me semble un critère important, mais pas essentiel. Celui qui serait peut-être déterminant, c'est la nature de la relation entre le pilote et son méca. Peut-être, à plus forte raison. En tout cas, c'est en tout cas la problématique qu'on se pose ce soir, c'est-à-dire interroger la relation entre le méca et son pilote. Mais alors, moi, j'ai envie de te poser une question, Fleur, puisque tu nous as. Euh, en préparant euh, cette euh, présentation. Tu nous as envoyé trois images absolument euh, curieuses. Je veux savoir à la fois où t'as trouvé ça. <laughs> Donc Nine Chou Voyage par René Laporte qui préfigure le méca D'où est-ce que tu nous as trouvé ça Alors attendez, euh, cher public, vous avez la première image, vous n'avez pas la deuxième c'est de mieux en mieux. -ce que, où t'as trouvé ça C'est quoi le contexte Alors, c'est une encyclopédie qui s'appelle Rétrofiction, que je vous recommande chaleureusement, qui en fait brasse tout l'imaginaire science-fictionnel de Rabelais à Barjavel. Donc, euh, on y voit très très large. Et tout simplement, euh, cette petite BD met en scène un... Alors, est-ce que c'est un méca Ça va être la question éternelle du soir, je crois bien. Un être visiblement pseudo-sentient, vu qu'il a quand même un peu de pudeur et qu'il met un slip de Tarzan. Et effectivement, vous le voyez, je crois, c'était sur la, la seconde image précédente. On voit qu'on peut aller dedans pour s'y promener et que euh, le côté comique fait qu'on va exagérer aussi. Euh, par exemple, le, les dénuement du, du méca à la fin, qui va être, euh, qui va ployer peut-être parce qu'il est fatigué ou déçu. Donc j'ai découvert dans rétrofiction. Est-ce que c'est un méca, mon cœur balance, un pseudo méca, un proto méca, comme on aime bien dire en SF, un, un avant-goût du, du méca à venir peut-être. Alors, euh, je voulais aussi, euh, du coup, revenir sur. Euh, bah, alors, justement là, donc, on n'est pas du tout dans une production japonaise. Mmh. Et, euh, et, bien, justement, parce que, alors, le mecha, depuis tout à l'heure, on vous en parle, venant d'anime, de manga, mais évidemment, le mecha euh, a envahi au les autres écrans que ceux euh, des enfants japonais, puisque euh, on a donc des représentations euh, occidentales comme Pacific Rim, évidemment, de Guillermo del Toro. Donc des représentations que vous connaissez bien. On a, euh, je pense, au film de Spielberg, Le géant de fer, mmh. où on a en tout cas des attributs qui relèvent du méca, en tout cas de la relation entre le pilote mmh. et euh, ce géant. On a, voilà, quelques autres exemples. Matrix 3, j'avais totalement oublié ça, mais dans Matrix 3, il y a des mécas mmh. Et évidemment, dans Alien 2. Mmh. Et un peu plus euh, de manière un peu plus euh, discrète alors j'ai trouvé ce boss de Cuphead qui est un jeu qui reprend l'esthétique de Disney et en fait paf ressort comique mmh. on a une petite souris qui pilote le grand méchant chat alors je voulais du coup vous interroger à la fois sur cette question de la contamination des autres écrans mmh. et aussi sur le, le, le peut-être le décalage c'est-à-dire sortir le Mecha de son contexte habituel de euh, pilote va dans Mecha pour taper méchant euh, voilà. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces, de ces logiques de décalage, à la fois d'une culture à une autre, et puis euh, d'une un, d'une génération à une autre euh, en termes de, de réception Je vais peut-être laisser Alexandra débuter, et après je m'attarderai peut-être un petit peu sur Pacific Rim, parce qu'il est assez intéressant pour faire une collusion en fait, de toutes ces influences, et quelque part il nous permet un petit peu de centraliser notre définition du mécanisme. Bah, la contamination, je dirais qu'elle va dans les deux sens. À la fois du Japon vers les États-Unis et des États-Unis vers le Japon, parce qu'il faut se rappeler que dans les années 80, le, le Japon était très influencé par des tas de blockbusters américains. Puis euh, on, on avait un développement de la, de la science-fiction au Japon euh, qui était assez fort, puisqu'on avait des séries comme *Bubblegum Crisis* euh, et plein d'autres séries dont je ne me rappelle plus le nom, Mais, euh, où euh, qui était, on, on penchait plus pour ah, si s'il y avait Megazone 23, euh, des des mecas, mais pas que, euh, de la du sang, du gore, un peu de sexe. Donc y a, on testait un peu les, les limites du genre. Puis en plus il y avait des nouveaux formats avec les OAV. Et en même temps, euh, le Japon commence à s'exporter ses dessins animés aux États-Unis. Donc on qui a racheté des dessins animés japonais qu'il a remonté à sa sauce. Donc on, ils ont eu euh, robotech et Voltron, qui est en fait des des, des un, pack de trois ou quatre séries que les Américains ont remélangées pour faire une histoire toute neuve euh, et qu'ils ont adapté à leur sauce. Et ils en ont fait des, des reboots récents, donc il y a, je crois, Voltron, euh, le guerrier légendaire, ou les, enfin, qui se trouve sur Netflix d'ailleurs, euh, où on a cette typologie méca, comme je disais tout à l'heure, avec euh, des petits jeunes qui euh, pilotent des, euh, des tigres méca qui se transforment en un plus gros robot. Et euh, dernièrement, il y avait aussi une série qui s'appelait Genlock, euh, où on trouvait le, le type la typologie, hein, je veux dire, qui est considérée comme la typologie méca américaine, euh, avec, comme euh, on peut voir, les types d'exosquelettes dans Alien ou, ou dans Matrix. Voilà, les, voilà, on les retrouve souvent dans, le, dans les séries américaines ou dans les jeux vidéo typés américains ou influencés par les blockbusters américains. Et de l'autre, on avait des grands robots exosquelettes qui étaient plus dans une typologie à la Gundam, euh, dans lequel. Les pilotes n'étaient pas dans le robot, mais étaient projetés numériquement dedans. Voilà, donc ça c'est les, les fameux robots. Donc on a le côté un peu Power Ranger, chacun avec une couleur. Et en dessous, il y a, il y a un exosquelette beaucoup plus fin. Euh, sachant que chacun customisera son robot dans les, dans les derniers épisodes. Enfin, on les voit directement dans dans le générique, mais le, le, mé le méca en fait devient le pilote. Enfin, le pilote devient le méca, puisque là, donc, notamment dans cette image, quand il est connecté avec le méca, ce que lui voit, enfin il, il voit ce qu'est ce qu le méca. Donc la, la personne devient le méca et doit apprendre à marcher, piloter, utiliser des, des armes, tout en sachant qu'elle ne peut pas rester très longtemps, sinon elle risque d'être coincée dedans. Donc il y a un... Et en même temps, le, les gens sont connectés dedans puisque leur corps est mis à part du méca. Euh, il y a toute une explication dans les épisodes 2, un peu pseudo scientifique, pourquoi ça fonctionne, et dans laquelle ils sont projetés euh, dedans. Donc il y a une autre forme de méca, on va dire plus contemporaine, où avec, on utilise des technologies, on va dire numériques, dans lesquelles on se digitalise pour aller dedans le méca. C'est très intéressant, je connaissais pas cet exemple. Et du coup, peut-être qu'on pourrait évoquer Pacific Rim parce que je pense que c'est une vision assez synoptique justement de l'héritage Méca cette fois, euh, arrivant aux États-Unis. Euh, Pacific Rim, l'intrigue est, est, est assez simple. Hein, ça va être des robots géants qui défendent euh, le, notre monde, un tout petit peu futuriste, euh, de gros méchants kaijus qui sont là pour. Euh, pour euh, tout détruire. Ce qui est intéressant euh, dans ce modèle de Pacific Rim, c'est qu'on va vraiment avoir euh, des mécanons sentients. Cette fois, c'est vraiment assumé. Euh, Se sous... définir sentient rapidement. Sentient, euh, on va pas avoir de sentiment de la part du robot, il ne va pas avoir de libre arbitre, il ne va pas, pas, pas prendre de décision à certains moments, alors que par exemple dans Erika Seven, à un moment euh, Nirvash il va demander au pilote de venir à l'intérieur de lui pour aller empêcher un bombardement, par exemple ou alors on va d'avoir dans evan gellion qu'on évoquera plus tard un moment l'éva qui va se mettre en colère et qui va euh, tout casser euh par son propre vœu. Donc la sentience, ce serait ça, ce serait la capacité euh, du méca à, euh, tout d'un coup, faire état d'un libre-arbitre, à peut-être même s'émanciper du, du vouloir du pilote et à retrouver une forme d'indépendance, à savoir si on lui a pris ou pas. Ça, c'est la question de, de toutes ces séries, de savoir d'où vient le méca. Parce que s'il était organique et peut-être euh, indépendant, peut-être qu'il a été mis en esclavage. Enfin, c'est des questions persistantes dans, dans ces séries. Toujours est-il que Pacific Rim... Visiblement, ce sont tout simplement des mécas de guerre. On aurait envie dès lors de dire vraiment des robots de guerre, des machines de guerre. Et pour qu'elles soient euh, opérationnelles, il faut impérativement avoir deux pilotes. Et là où c'est intéressant, c'est que chacun des deux pilotes, ils vont euh, contrôler une partie de l'hémisphère. Donc on parle quand même de cerveau, donc c'est là que la sentience pose quand même problème. Chacune, une part de l'hémisphère de euh, ce robot. Et si vous avez vu le film, on voit bien que les personnages doivent synchroniser leurs mouvements. Et surtout, euh, fait très intéressant, et ça, ça résonnera assez fortement avec ce qu'on va dire par la suite, ils doivent aussi synchroniser leurs êtres. Il faut être compatible, il faut être émotionnellement euh, chargé de la même manière que euh, le pilote avec lequel on va battre pour que euh, le robot puisse être activé. Et c'est pour ça qu'au début du film, vous voyez que le héros, c'est avec son frère qu'il combat. Et par la suite, évidemment, ce sera avec une potentielle amoureuse, parce qu'ils sont beaucoup plus compatibles euh, spirituellement. Et ce qui est intéressant dans Pacific Rim, c'est qu'on voit vraiment tout l'harnachement. On voit notamment que les pilotes ont une espèce de colonne vertébrale factice dans leur dos et qu'ils vont être liés à différents, euh, différents tubes qui rappellent un espèce de vaisseau sanguin et quand ils mettent un masque, on a un liquide orange qui résonnera très fortement plus tard avec Evangelion parce qu'on a aussi la présence d'un liquide utérin, d'un liquide matriciel qui vient immerger le pilote et tout bêtement on a les deux pilotes qui doivent euh, joindre leurs forces et faire le même mouvement pour abattre le robot qui est face à eux. Donc c'est intéressant avec Pacific Rim, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment du divertissement mais on réutilise des codes euh, importants de l'univers Mecha sans jamais employer le terme Mecha, mais on a vraiment à la fois combats gigantesques, titanesques et qui sont cette fois faits pour s'opposer à des créatures presque infernales vu qu'elles viennent d'une brèche un peu dans le Pacifique. On a cette question de la fusion des pilotes qui doivent être opérationnels et bien s'entendre sinon le Mecha ne bougera pas. Et ça aussi on le retrouve dans d'autres séries cette question du pilote qui doit être au top sinon le méca ne bouge pas. Et on a aussi tout simplement le fait que ce sont des armes de guerre qui sont semblables. À des avions de chasse, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent. Euh, J'avais réénuméré les noms tout à l'heure, je les ai oubliés. On avait Gypsy Danger, on a euh, Cherno, quelque chose. Enfin, C'est des noms euh, vraiment d'avions de chasse américains en fait. Et, et quand on voit la salle de contrôle, on voit vraiment une salle typique de la NASA aussi. Donc il y a vraiment différents tropes qui se mêlent et ce côté euh, très euh, patriote et chauvin où ces robots sont le dernier rempart pour faire face au danger, Et ça aussi, c'est un trop essentiel euh, du, du MECA. Alors du coup, comme tu l'as expliqué, Pacific Rim, on vous, on vous invite vraiment à le voir pour qui veut découvrir l'univers du mecha, tant il synthétise vraiment toutes ces questions-là. Et, euh, et je vous invite, du coup, pour un peu conclure notre propos introductif, toujours des introductions trop longues à, à, à satellite, mais, euh, mais ça fait partie du jeu. Euh, je vous propose, du coup, de passer par les meilleurs exemples. Donc Patrick dans Bob l'éponge, et évidemment Krang dans... Euh non, les tortues ninja et des exemples qui te sont chers, Fleur? Oui, le laboratoire de Dexter, absolument. D'où ça nous vient cette histoire là? Quelles sont les particularités des, méga, des mécas rigolos? Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Je sais que Fleur tu tiens particulièrement au laboratoire de Dexter. Dans le cadre du laboratoire de Dexter, j'ai oublié le nom du méca, mais c'est Robot Dextro 3000, je crois dans mon souvenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il apparaît de manière récurrente dans plusieurs épisodes et il va être augmenté, amélioré d'épisode en épisode. Il va même être contraint par Didi de lui en faire un et elle aura des couettes. Donc il y a vraiment aussi une projection du physique du pilote sur son méca et ça aussi je pense que c'est propre au cartoon parce qu'on ne l'a pas tant dans les séries qu'on évoque on a certes une organicité on a quelque chose vraiment de réaliste dans nos méca on l'a bien vu mais on a toujours ce côté mécanique et les méca on, on, on parlera ensuite de, de la commercialisation sous la forme de figurines on a un, un type du méca alors que dans le cartoon on va vraiment le rendre cartoonesque, drôle et surtout semblable à son pilote très souvent. On aura aussi le recours euh, régulier dans Dexter à euh, la visibilité des sentiments du pilote sur son robot. Quand Dexter a perdu et qu'il est déprimé à la fin d'un combat, son robot va s'asseoir par terre et ses sourcils, euh, ses, ses gros sourcils de fer vont s'abaisser en signe de résignation. Et ça va donner des combats complètement fous. Le pire ennemi de Dexter, si vous connaissez la série, c'est Mandark. Et on aura des, des, des combats à l'échelle planétaire entre Mandark et Dexter. Et donc, ce trope, évidemment, il est fait pour faire rire. Il réactualise un, un, un imaginaire en fait collectif, un archétype, en le simplifiant au possible. Parce que le but de ce méca, c'est quoi C'est simplement d'être une projection de, de, des velléités de, de Dexter qui sont celles d'anéantir Mandark, en réutilisant un, un visuel qui est connu des spectateurs et, et qui permet de faire rire par son caractère un peu grossier, puisque le robot est, est lent, il ne fonctionne pas toujours, et ce n'est pas toujours une arme qui lui permet d'être victorieux bien au contraire. Alors du coup, pour conclure euh, décidément euh, cette introduction, euh, je vous propose juste de, de faire un bref passage, comme tu l'évoquais, sur cette question des figurines, tant elles sont importantes dans la culture mecha. Alors, hop, voilà quelques exemples. Évidemment, ça a monté soi-même, ça prend des heures. Voilà quelques exemples, Mazinger Z, et vous avez vu du Gundam. Et, euh, et est-ce que vous pouvez un peu euh, nous parler de justement cette question de euh, du rapport entre la production des figurines et la production des épisodes d'animation japonaise. Pour revenir rapidement sur le robot animé, puisque euh, donc ces, ces figurines-là sont, euh, c'est un peu comme Star Wars, quoi. C'est-à-dire que euh, le grand pari de George Lucas quand il fait Star Wars, c'est de se dire je vais toucher des droits d'auteur sur les figurines et du coup on va inonder le marché de jouets avec du Star Wars. Et c'est ce qui s'est passé avec Gundam et souvent avec les mechas, c'est que vous avez un animé de mecha qui sort, systématiquement vous avez, son, vous avez le mecha de l'animé qui arrive dans votre magasin de jouets Tokyo préféré. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler des conditions de production liées à, à ces, à ces enjeux-là alors, rapidement, euh, souvent ils partent du principe, enfin, pour les, au Japon, que l'animé sera pas rentable toute seule, mais euh, que ça sera le cas avec les produits dérivés. Euh, D'où le fait d'avoir euh, des mechas, ou des figurines, euh, des pilotes, euh, dans des manières très stylisées, parfois très suggestives, si ce sont des personnages féminins. Euh, après, il faut aussi partir du principe que euh, la franchise Gundam, elle appartient à Bandai, qui en vend plusieurs millions. Et surtout, depuis que bah, Gundam s'exporte à l'étranger, euh, là, les chiffres ont, ont explosé. Donc, c'est tout bénef pour eux. Après, pour les méthodes de production, est-ce qu'ils pensent euh, déjà à la tête Coral Mecha pour, pour les figurines C'est très possible. Après, il y, y en a qui ont des spécificités, puisque selon les, les Mecha-designers qui sont en charge. Euh, certains on va dire à sa patte graphique et donc est plus ou moins appelé euh, pour ce type de mecha euh, par exemple bah, Mamuro Nagano qui a fait Five Star Stories bon, lui c'est un, un gros fanat du, du détail donc il a ses propres mechas très spécifiques mais il avait travaillé aussi sur, sur d'autres séries euh, comme Gundam et autres mais c'est vrai que Five Star Stories euh, n'a pas vraiment d'animé, il a eu un, un film c'est surtout un manga mais il y a énormément de, de figurines autour avec euh, bah, ces, ces cas très spécifiques qui sont excessivement longilignes avec des talons euh, et, qui, et qui se vendent bien parce que aussi, ça fait appel aussi à un public de niche parce qu'il faut savoir aussi que les productions d'animés et euh, les, les, les figurines, ça s'adresse directement aux otaku et aux collectionneurs. donc c'est aussi un marché se disant on, on va leur faire cracher leur argent quoi ça, ça c'est des choses qui coûtent relativement cher qui sont si faites pour des, des passionnés parce que dans les années 70 c'était surtout ça les figurines les choses à construire soi même puis les japonais aiment bien ça de manière générale les choses très minutieuses euh, donc il y, y a ça, aussi, je ne sais pas si on développera plus tard tout ce, cet aspect du, du mécal y à la culture otaku, mais il euh, y, y a de ça, c'est-à-dire qu'il faut penser à la fois en rentabilité pour les productions d'animés, et en même temps euh, bah, à toute une culture qui s'auto-alimente grâce aux figurines. Euh, et du coup, alors juste avant de passer à la suite et à notre fil rouge de la soirée, euh, je voulais juste vous montrer très rapidement euh, pareil donc tu évoquais Mamoru Nagano donc qui euh, s'occupe de Five Star Stories et en effet il y a des méca-designers, euh, c'est un boulot à part entière de types qui passent leur temps à dessiner des mécas hautement stylisés donc voilà Mamoru Nagano, je voulais aussi vous montrer rapidement donc, ce qu'a fait Yoji Shinkawa euh, sur euh, Zone of the Enders donc c'est le type qui a fait Metal Gear Solid donc pareil vous reconnaissez vraiment la, la patte et je voulais finir sur cette image d'un mecha godzilla euh, un Mecha Godzilla dessiné par l'illustrateur de Metal Gear Solid avec une référence à Evangelion sur euh, l'épaule. J'ai perdu ma souris, mais vous voyez un petit point rouge, bah, c'est le logo de la marque de fabrique dans Evangelion. Donc voilà, culture du mélange, média mix. Euh, voilà, je trouvais que cette image représente bien à la fois la profusion. De, de référence et ce, voilà, cette contamination qu'on évoquait, cet aller-retour entre euh, la culture japonaise d'anime et euh, la culture occidentale et puis voilà c'est cette capacité qu'a a le à, précisément prendre la forme qu'on veut bien lui donner et du coup je vous propose un nouvel extrait vidéo pour euh, introduire peut-être notre fil rouge de la soirée celui, sur le, enfin, celui qui va euh, comment dire être euh, au le, 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 le fondement de, de, du reste de notre propos. Donc, on est en 1995 et un jeune réalisateur qui bosse dans la société Ganax euh, va pas très bien et euh, donc décide de faire lui-même son robot animé. Donc, ça s'appelle Neon Genesis, Genesis Evangelion et ça sort donc en 1995. On regarde l'opening. On sachez quand même que cette conférence a été faite pour passer le générique. C'était le moteur principal. Je me suis dit le reste viendra après. Alors bon, euh, donc euh, Neon Genesis Evangelion, donc qui, euh, ok, j'entendais plus le retour, euh, qui euh, marque euh, un avant et un après dans la culture du robot animé, puisque euh, il rend euh, saillant. Des choses qui étaient déjà là, comme on l'a expliqué, donc toute cette question de l'adolescence, euh, qui était déjà présente dans Gundam, donc qui, qui invente en réalité assez peu de choses, mais qui les rend tellement saillantes qu'on va l'utiliser eh ce soir comme notre fil rouge euh, pour revenir sur euh, voilà, des grandes questions, des grandes thématiques, des grands tropes euh, issues donc de, euh, de cette culture du mecha. Alors, tu parlais de la culture otaku, est-ce que tu peux un peu revenir justement sur en quoi... Euh, Evangelion était euh, une, une claque monumentale euh, à l'époque au Japon Alors, ça n'avait pas été tout de suite, tout de suite, puisqu'il a fallu que la série change de cas horaire pour que ça fonctionne beaucoup mieux. Euh, et ça a apparemment euh, était beaucoup joué sur du bouche à oreille, parce que ça passait tardivement le soir, et donc c'était plus tôt cette, cette frange-là. Il euh, faut se mettre en rapport que la culture otaku, euh, ben, elle explose un peu. Elle était présente dans les années 70, mais elle explose vraiment dans les années 80. Puisque ben, c'est un peu le miracle économique japonais, euh, tout va bien, le Japon s'exporte un peu partout avec sa technologie, mais de l'autre côté on a les pertes de valeur et donc les gens, surtout certaines personnes, se mettent à, à, à consommer beaucoup de, de fiction, notamment de l'ASF ce qu'on appelle bah justement le développement de la culture otaku, et les mechas en font partie. Donc justement, euh, cette histoire de fiction, et Evangélion tombe bien, parce que euh, Hideaki Hano était lui-même un otaku, et il le revendique, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il euh, y avait la Genax, ils avaient sorti Otaku nos vidéos qui célébrait justement cette culture-là, sachant qu'otaku, on peut être otaku de n'importe quoi, fan de train, euh, ce que vous voulez, il n'y a pas, pas de souci. Mais... Là, justement, euh, il avait fait cette, euh, cette série, bon, on a justement abordé le fait que maintenant on savait qu'il était euh, dépressif, euh, trouble borderline, qui a fait tant de sujets, donc déjà, c'était pas c'était pas la joie, à la sortie de, de son, sa précédente série chez Ginax, qui était euh, Nadia et le secret de l'eau bleue, qui avait plutôt bien marché. Et donc là, il fait une série justement sur, sur les robots, mais aussi il avait décidé de, de s'aventurer plus sur la, le psychodrame et la mélancolie humaine et parler à une certaine frange de la population. Euh, message véhiculé notamment dans les deux derniers épisodes, qu'on ne spoilera pas, euh, qui avait été euh, reçu de manière assez mitigée par la population. Et justement, en fait, ce qu'avait voulu montrer Ono, euh, c'était l'inverse de ce qu'il avait voulu. Parce que le but, c'était justement avec cet effet un peu méta dans Evangelion de parler de la fiction dans la fiction. Euh, lui, c'était pour faire sortir un peu la, la, de le, les Otakus de leur torpeur, de leur petit monde. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que les gens se sont mis à analyser euh, à la seconde près euh, les images, notamment celles du générique, puisque tout, tout est plus ou moins cryptique. On, tout est plus ou moins déjà dans le générique de ce qui va se passer dans la série. Euh, et donc, enfin, là, je vais parler d'une époque, les années 2000, quand j'ai découvert la série. Les gens euh, bah, euh, Psychosomaté beaucoup sur la série, analyser le, le moindre événement, la moindre scène coupée, alors que maintenant on a une vision beaucoup plus globale 20 ans après, justement sur, sur cette culture et ce qu'a voulu dire Itake Hano. Juste rapidement pour vous donner peut-être quelques éléments de contexte pour qui euh, découvre la série. Euh, donc précision d'emblée, on ne spoilera rien. Euh, soyez rassurés, on évoquera légèrement quelques pistes euh, visuelles, mais voilà, soyez rassurés. Pour qui veut découvrir la série qui est sortie la semaine dernière sur Netflix, euh, qui est en re en ressorti en remasterisé, voilà. on ne spoilera pas Evangelion, ça va être notre fil rouge, mais on, on ne vous dévoilera rien. Mais euh, en effet, voilà, je voulais juste revenir peut-être un peu sur le contexte. Donc, euh, le héros que vous avez vu, le jeune garçon, c'est Shinji Ikari, qui euh, est un adolescent absolument lambda, normal, tout à fait tranquille, et euh, qu'on vient sortir euh, de son petit quotidien, puisque euh, des anges, c'est-à-dire des, des monstres hideux, de, de plusieurs dizaines de mètres attaque euh, Neo Tokyo 3 et, euh, et en fait il est euh, attrapé donc par le, le jeune garçon Shinji et attrapé par Misato euh, Katsuragi qui va l'emmener de force euh, en tout cas, voilà, c'est pas de force, mais il est... on lui prend la main, quoi, quand même. Euh, pour entrer dans le méca, donc l'Eva 01 que vous avez vu, donc qui est un méca, voilà, au, tra au trait élancé, qui jure déjà avec euh, les, le, le côté euh, très Gundam, très lourd, très real robot qu'on avait. Là, vous avez vu, c'est un méca qui est très élancé, et en fait, il va devoir aller dans le méca pour défaire cet ange. Et en fait, il va montrer très rapidement euh, des capacités de pilotage, euh, donc qui sont liées à un potentiel de synchronisation. Il va montrer des capacités de pilotage extraordinaires, sauf que le problème, et ce qui jure avec le reste peut-être des robots animés de manière flagrante, c'est qu'il veut pas aller dans le méca. Ça l'emmerde très profondément, et en fait Evangelion va systématiquement questionner euh, le personnage de Shinji, qui est un adolescent entouré euh, de jeunes filles qui le troublent manifestement, et qui, euh, et qui voilà, va devoir euh, conduire une guerre contre une entité euh, inconnue alors qu'il n'en a pas envie. Donc on, on, on va revenir de toute manière sur, euh, sur tous ces, ces éléments-là. Donc on va regarder euh, un autre extrait vidéo des Vanguardian. Donc c'est euh, près de la fin du premier épisode. Ouh, incroyable spoil. Euh, et on va donc regarder euh, bah justement le moment où euh, l'équipe technique se rend compte que Shinji a des capacités incroyables pour euh, piloter euh, l'Eva. Et donc il va, il va partir en bataille contre l'ange. On regarde ça. Donc voilà euh, la, la, mise, euh, la mise en préparation, euh, l'envoi, le lancement de l'Eva 01. Donc on est vraiment dans... Dans euh, voilà le, le, un, une scène typique du, euh, du robot animé où, euh, où j'ai toujours cette scène incroyable en tête qui répétait à chaque épisode de Goldorak je crois, où il saute dans une trappe et puis euh, paf il tombe dans le cockpit du méca et c'est parti. On a toujours la même scène. Donc voilà, on a un combat qui se prépare puisqu'une menace arrive. Et, euh, et du coup, j'ai envie de vous poser une question. C'est euh, alors qu'aujourd'hui, donc on a Pacific Rim 2 qui est sorti l'année dernière. Euh, on a, euh, on a euh, donc Godzilla 2, Roi des monstres, qui est actuellement au cinéma. Je me dis qu'il y a peut-être une connexion. C'est-à-dire, on a donc tous ces films de kaiju, de monstres comme les anges, qui détruisent ville sur ville. Et est-ce que finalement le mecha euh, ne serait pas une réponse, comme tu l'indiquais, Alexandra, euh, après la guerre Est-ce que le mecha n'est pas une réponse à ces films de kaiju qui sont dans les années 50, qui sont lancés par Godzilla est-ce qu'il n'y aurait pas une réponse euh, ultra guerrière de défense euh, avec euh, voilà est-ce que la technologie ne permettrait pas de lutter contre Godzilla en quelque sorte bah, Godzilla lui-même a pas mal évolué parce qu'il est passé euh, de, de la l'égorie ou de la symbolique euh, de la bombe nucléaire à plusieurs à défendre. Euh... Toutes les, enfin, la, la planète contre des mythes géantes ou des dragons à trois têtes. Il est devenu de plus en plus gros. Euh, il, a, il a changé de tête plusieurs fois. Il est même devenu méca Godzilla. Donc, en fait, le Godzilla est un peu comme les séries de robots. Ils évoluent en fonction de la, de la société et de ce qui se passe. Euh, et là, ils avaient le cas justement très, de la guerre. Donc, je disais tout à l'heure que Gundam essayait de distiller une vision un peu en, pas forcément antimilitariste, mais plutôt pacifique, en disant pas que la guerre c'est mal, mais que ça a des conséquences. Euh, et dernièrement, il y en a qui avaient noté justement que dans, si je ne me plante pas, dans Gundam Seed, il y avait justement euh, la question de la guerre comme, euh, avec des propos raciste, enfin sur des, des, un biais raciste c'est à dire qu'on va aller combattre des gens bah parce qu'ils sont pas comme nous pas pour des questions euh, militaires ou de, de point de vue de territoire mais vraiment y il avait, y avait des questions de, de, de racisme dans gundam. après effectivement tout le côté militaire qu'on peut voir dans, dans certaines euh, animés de mecha, notamment tout ce qui touche plutôt au Real robot mais Evangelion est un peu un mix des deux entre le reel robot et le super robot euh, sur le côté très militaire, parce que euh, soit ce sont des enfants qui travaillent euh, pour des, des militaires en question, euh, ce sont les adultes en général qui ont euh, le, le commandement et c'est les enfants qu'on envoie combattre. Euh, c'est le cas par exemple dans Darling in the Franks. On a toujours euh, des gens qui vont vérifier euh, la synchronisation, euh, l'énergie des pilotes, euh, si tout va bien. Donc on a toujours une équipe en arrière-plan euh, qui vérifie que tout se passe bien, ou en tout cas que le pilote ira jusqu'au bout de sa mission quoi qu'il en coûte. Euh, tout en lui rappelant, bah, comme dans le cas de Shinji, qui est le dernier rempart de l'humanité, bah, que s'il y va pas, bon c'est son choix, mais vous pensez que tous les autres vont mourir s'il le faut pas. Donc ça met déjà une bonne ambiance. Euh, et comme on disait tout à l'heure aussi, il y avait une fascination de la technologie, donc euh, pour les trucs militaires euh, du, du Japon, donc, euh, de manière générale, euh, effectivement dans les mechas, ce certains que ce soit Patlabor, Evangelion, daniel nice france on nous présente pas mal d'interfaces euh, pour nous expliquer le pseudo fonctionnement de ces mechas. Euh, de, de manière pseudo-scientifique, avec des histoires de synchronisation, de, de neuro, pourquoi c'est plutôt des, des, des adolescents qui pilotent plutôt que des adultes, euh, comment le méca fonctionne, etc. Donc il y a toujours un contexte, on va dire, euh, sous, selon les, les mécas mais euh, plutôt euh, militaire, de combat, euh, d'un ennemi. Alors, effectivement, dans, dans Gunbuster, on voit des jeunes filles qui sont, euh, qui s'entraînent dans les premiers épisodes, parce qu'elles rêvent de partir dans l'espace pour aller combattre les entités extraterrestres. Donc, on est vraiment dans le côté, enfin, euh, je pas dire jusqu'à militariste, mais c'est le dernier rempart de l'humanité, on envoie tous les robots qu'on peut, et puis euh, tant pis, on irait jusqu'à la mort. Il hein. y a un côté jusqu'au boutiste de la chose. Mais c'est vrai que là, dans le côté évangélion, euh, autant le Japon d'avant-guerre, euh, bah, avec les kamikazes et autres, ils étaient prêts à, à mourir pour l'empereur et la patrie. Euh, là, on a justement l'antithèse de, des gens qui, qui se remettent en cause, ils ne veulent pas forcément y aller, ou alors ils y vont, mais en, en fait, ils ne vont pas le faire pour nécessairement la, la patrie, mais ils vont surtout se battre pour leurs amis et les valeurs qu'ils défendent, donc l'amitié, le courage, etc. Donc, selon les mécas, en fait, on va plutôt se battre pour les gens qu'on aime, ce qui est une valeur un peu plus positive que pour dire que le côté militariste, on va se battre pour sauver l'honneur de la patrie. En écoutant Alexandra, justement, je pensais à la nature émancipatrice du méca. Euh, quand on voit des séries comme Gurren Lagann, où c'est la découverte de la tête sectionnée du, du méca qui va permettre aux au pauvres petits mineurs d'atteindre euh, la surface, dans, dans la charge symbolique, c'est assez significatif. Et euh, aussi à Code Geass, où c'est. Encore une fois, la découverte du méca qui permet au héros, lui, de tout simplement se lancer dans une reconquête, une reconquête euh, aristocratique et à un autre personnage de devenir, devenir chevalier en euh, conduisant Lancelot. Donc, cette question de l'émancipation, elle est intéressante. Et pourquoi Evangelion, me semble-t-il, est différent C'est aussi parce que le méca est faillible. Et ça, je ne sais pas si on a aperçu dans l'extrait le câble qui est dans le dos du Mecha, mais c'est assez intéressant. C'est que le Mecha est très souvent euh, abîmé, détruit, blessé lors des combats, et surtout si ce malheureux câble vient à se détacher, il ne reste plus que 5 minutes d'autonomie, et c'est généralement dans les pires moments qu'il s'arrache. Et ça, je trouve ça euh, vraiment intéressant cette, cette présence de la menace persistante de ce, ce câble qu'on voit traîner en fait derrière, et parfois on se demande. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas amélioré ça Et de même, c'est aussi très intéressant, je trouve, dans ces différentes séries, de voir comment le mecha est apporté sur le champ de bataille. Et il y a notamment une scène dans Evangelion où ils sont en train de se battre en pleine mer avec la, la difficulté pour le mecha de peut-être ne pas du tout pouvoir euh, lutter sous l'eau. Et on voit pendant de longues secondes, parce que la question de la temporalité est vraiment intéressante dans cette série, le mecha voler les va voler alors qu'elle pourrait être abattue par l'ange qui est juste en dessous dans l'eau. il y a vraiment ce, ce que, cette question, effectivement, de la surtechnologie la technologie qui permet de reconquérir peut-être un honneur perdu pendant la seconde guerre mondiale, mais aussi cette technologie qui peut à tout moment nous lâcher. et c'est là que le, le courage du pilote, en fait, va rééquilibrer la, la, tout simplement la, 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 la fragilité de la machine. sur cette, euh, sur cette question de la guerre, euh, donc, il y a à la fois un discours sur euh, la fragilité du méca et le fait que ce ne sont que des armes euh, qui, sont, enfin, qui peuvent être lancées au casse-pipe. Et on a à la fois donc. Euh, enfin, voilà, euh, en fait, on a donc une véritable critique de la guerre et de, de la surmilitarisation dans les robots animés. Mais en même temps, comme tu l'évoquais, il y a une vraie fascination euh, pour la technologie. Et, euh, et, euh, et notamment les technologies guerrières, puisque, euh, comme, on, comme on le voyait, les Gundam et les. Alors, ça, c'est un plan euh, absolument au pif de Evangelion. C'est celui épisode, de la mer, euh, justement, ouais. où on craint que l'Eva 01. Ouais. Je crois, zero. soit 0,2 ouais. soit ouais. incapable de combattre sous l'eau effectivement. Ouais. Et ces bateaux vont être utilisés comme de simples tremplins, comme un exercice de parcours en fait où l'EVA va sauter de bateau en bateau et sans se soucier effectivement des, des civils et des, des marins qui sont euh, catastrophés à l'idée surtout d'avoir perdu leur leur ingérence sur la mer où c'est toujours la nerve qui prévaut peu importe le territoire. Et, euh, et pour le coup là en l'occurrence euh, ce qui est euh, ce que je trouve assez frappant avec ce plan en particulier c'est l'extrême minutie euh, et l'extrême euh, attention portée aux armes, aux armements, à l'esthétique militaire euh, c'est quelque chose qu'on a très souvent euh, je pense notamment à une série qui s'appelle Battletech. Qui pour le coup, euh, c'est du, du, du porno militaire quoi. Enfin, y a, on a une attention euh, prêtée au l'armement voilà, et, euh, et à tout ça. Et en même temps, on a un discours euh, pacifiste. Alors je vois bien qu'il y a un paradoxe, mais, euh, mais comment est-ce qu'on pourrait le résoudre un peu Comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, d'où nous vient un peu ce mouvement à la fois, je pense aussi aux œuvres de Mamoru Oshii, en fait, dans Patlabor aussi, ou alors dans, dans Ghost in the Shell. Où on a, voilà, on a une tension entre un, un, un ou alors dans, dans Metal Gear Solid, euh, où on a un, un amour extrême pour les armements. On leur donne un nom précis. On va chercher on va des organismes militaires et on va se perdre. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est la question du conseil militaire. Mmh. Alors, le conseil militaire, euh, comme tu le disais, est à la fois derrière pour soutenir, mais c'est aussi le lieu de prise de décision. Est-ce qu'on envoie tel ou tel méca euh, Et donc, voilà, on a une. Euh... Et on a ouais. par exemple la métaphore des échecs aussi dans Code Geass qui est persistante pour signifier que les méchas ne sont rien d'autre que des pions qu'on déplace aussi sur une, une virtualisation du champ de bataille aussi. Et du coup, alors j'ai un autre exemple, encore Guren Lagan. Voilà, on a toujours ce, ce trope de, euh, de la flotte. On a vu ça au, au début de la conférence avec Mazinger Z. Donc quand on avait euh, le Mazinger Z, le robot qui allait tabasser euh, plein de mechas euh, dans les airs, on a aussi cette flotte, l'importance de la flotte. Donc on a, on a, on a, un, on a un décalage de, euh, de, du jargon militaire et de, des logiques militaires vers le mecha. Alors, du coup, est-ce que c'est pas paradoxal euh, avec. Euh... Et avant même de, de répondre, moi je pensais, on en avait discuté un peu plus tôt, euh, la présence du géant de fer dans le fameux combat euh, dans Real Player One. C'est un, un combat libérateur qui est censé protéger, je crois, si je me souviens bien, une forteresse dans laquelle il y a un élément qui est important pour les héros. Et le fameux très gentil géant de fer, si vous avez vu le film euh, extrêmement triste, il va à l'assaut. Il va combattre. Et je, je pense effectivement à cet extrait-là en, en voyant ça. Peut-être qu'Alexandra veut, veut compléter sur. Euh... Le, le, la balance, effectivement, entre technophilie extrême et pacifisme. Euh, effectivement, le mecha, c'est très pratique, parce qu'on peut regarder euh, des gens se taper dessus avec des militaires sans être profondément <laughs> militariste soi-même. Donc, c'est très pratique. Il y a un côté, peut-être, un effet un peu cathartique, je dirais. Après, il y a aussi le contexte... Hein, je vais revenir encore une fois sur le contexte historique. Euh, souvent, dans les, les animés de mecha, il y a un peu le, le héros tragique euh, qui va aller se sacrifier pour les autres, etc., sans aller à dire jusqu'à ce que le, le Japon réécrit son histoire, mais euh, étant donné qu'ils euh, avaient dans la Seconde Guerre mondiale la double casquette à la fois bourreau et victime, là, ils, ils se réinventent en tant que héros sauveur de, de la nation, enfin de, du Japon de la planète ou de l'univers. Euh, après, de temps en temps, on a des personnages venus d'autres pays, notamment américains, qui sont là, mais ce sont jamais généralement les personnages principaux. Après, euh, on revient toujours à l'acceptation de la technologie avec cette fascination. Alors, effectivement, les, les animés de Mecha, c'est toujours l'occasion de voir euh, des belles séquences d'Itano Circus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, une, une forme d'animation. En fait, on a plein de missiles qui sont lancés en, en même temps. Et donc, on a une espèce de balai dans le ciel avec des missiles de partout. Ça fuse de toutes les couleurs. Alors, selon les, les animateurs, on, y a des... on peut voir sur YouTube des, des séquences entières d'Itano Circus pour ceux qui adorent voir des missiles danser dans le ciel. Donc effectivement, il y a c'est aussi un peu la débauche d'animation, de, de côté un peu euh, militariste. Là, qu effectivement, il y a toujours la, la flotte immense, toujours plus plus grosse et la, la menace ultime contre laquelle le héros et ses, ses compagnons vont devoir combattre. Euh, donc dans, dans le côté effectivement du, du héros tragique et de la réécriture de l'histoire, le, le Japon, enfin. Je, je, je grossis le trait, mais avec ces, ces mécas, se, se revendiquent héros, euh, sauveurs, euh, on passe de, de, de victimes à la sauveur de l'humanité, on réécrit ré ré un peu l'histoire avec le, la fascination euh, militaire et de la technologie. Et peut-être pour euh, compléter, je prendrais pour exemple la série Eureka 7, où le méca va être plutôt un intercesseur pour rétablir en fait une forme de, de symbiose et de compréhension mutuelle des hommes. Et c'est peut-être cette figure-là qui est intéressante, celle du passeur, où c'est l'être mécanique qui, par sa fusion privilégiée avec le pilote, est capable d'apporter un message de paix auprès des populations. Parce que dans Heroca 7, il y a une espèce de, de corail sentient sous l'eau qui essayait de bien s'entendre avec les humains et pas de chance, ça ne fonctionne pas. Et c'est par le biais du méca qui peut être manipulé notamment par des êtres pseudo coralliens que finalement une possible symbiose va se faire. Donc peut-être que le, le méca, justement, à la fois entre euh, technophilie et puis pacifisme, il est, est passeur de quelque chose euh, au lieu d'être simplement outil de guerre, mais parce qu'il est habité. C'est ça qui, qui est quelque part, le, le, le sort de la, du conflit. Je vous propose d'explorer justement cette, cette question de, de, la, de la paix des hommes, ou en tout cas d'une figure mécanique autre qui viendrait euh, absoudre les péchés euh, des, des, des pilotes. On va donc s'intéresser, je vous propose, à, 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 la, à la question de la mythologie et euh, du méca-dieu, euh, le méca-sauveur. Et encore une fois, je vous propose de regarder un extrait euh, en français cette fois, mais le doublage est de qualité, il euh, n'y a pas de c'est pas très grave, euh, de, euh, de Razephon, euh, qui est un anime euh, qui est sorti en 2003. C'est euh, Pour la, la dire rapidement, c'est un anime qui reprend les codes d'Evangelion, mais qui est écrit par Shiaki Konaka, c'est-à-dire le type qui a fait Serial Experiments Lane. Donc vous prenez du cryptique, vous rajoutez du cryptique dessus, et vous salez avec du cryptique, et vous avez Razephone on va regarder un extrait du début du deuxième épisode euh, donc euh, où euh, le héros ayato euh, pareil exactement comme shinji euh, est pris un peu à part dans son quotidien et on lui dit vite vite saute dans un méca sauve le monde et euh, donc euh, il va entrer dans une salle il va suivre une jeune femme qui chante et en fait il est hypnotisé par cette sirène et il va la suivre et atterrir dans une salle euh, Enfin, un complexe militaire, et une fois dans le complexe militaire, de l'eau à perte de vue, des, des une sorte de temple antique qui flotte en l'air, et un œuf géant, et il va faire éclore l'œuf. Donc, euh, à la fois euh, l'éveil du, euh, du personnage principal, donc qui fait éclore l'œuf. Et, euh, et donc, Razéphone, c'est bel et bien le nom du mecha. Euh, et donc, on, voilà, ce moment où il dit Je suis, je suis. Euh, non pas Ayato, mais du coup Razéphone. Donc, il y a une confusion entre. Euh, L'anime le, 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 va jouer de cette confusion entre les, les deux personnages. Enfin, entre le mecha et son pilote. Et, euh, et alors, voilà, là, c'est une séquence qui est quand même assez riche. On a des ailes d'ange. Euh, en tout cas, voilà, le méca, a un aspect euh, assez, assez étrange. Et pour vous donner euh, quelques éléments de contexte, donc les ennemis sont les mu, euh, qui sont donc des dolèmes si je ne dis pas euh, de bêtises. Oui, là, les, ce qu les ennemis qu'on voit sont, sont des dolèmes dirigés par l'ancien peuple de mu, qui ont le sang bleu. C'est comme ça qu'on les différencie des humains dans la série, d'ailleurs. Euh, qui sont en, en fait une ancienne peuple, enfin, une ancienne civilisation qui habitait la, la Terre, mais suite à un événement, euh, voilà, n'en font plus partie, en tout cas sont dans un espace tant différent, et justement essayent de reconquérir la Terre qu'ils considèrent comme euh, bah, leur appartenant au départ avant que les humains déboulent. Donc euh, effectivement dans Rexefon, il y a une énorme mythologie euh, je, je crois je plus, je crois que c'est des Maya ou des Incas ce genre de choses. Et effectivement, il y a beaucoup de séries de Mecha qui rajoutent pas mal de choses à, à, à typologie euh, on va dire mythologique pour et on va dire étayer l'univers de la série. C'est le cas dans Escaflon qui rajoute justement le peuple des Atlantes. Euh Evangelion avec ses, ses, ses anges, Adam, Eve Lili, donc il y a toute la Aspects christique et religieux. Euh, dans Néoranga, on a des sœurs qui dirigent dans une, une civilisation qui n'existe pas, mais une entité appelée Néoranga, qui directement ont cité comme étant une entité, euh, euh, un, une sorte de dieu. Euh, après, il euh, y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre série Il enfin, y a plusieurs séries, Barrexéphone, bah, qui, qui emploie énormément de choses venues d'autres cultures ou civilisations, que les Japonais aiment bien mixer avec d'autres choses pour avoir des, des mélanges un peu détonnants. Donc, euh, et dans lequel s'inscrit aussi le, dire le pilote élu, qui va euh, justement euh, se retrouver dans le mecha, qui est différent des autres, puisqu'il a été éventuellement choisi, appelé par, par le mecha. Euh, des, on, parfois les séries vous expliqueront pourquoi est-ce que c'est lui et pas un autre euh, dans l'évangélion je crois que Shinji pose la question pourquoi moi et Misato lui répond euh, bah, ça s'est fait comme ça <laughs> il y a, il y a, là il n'y a pas vraiment on démystifie la question de l'élu même s'il y a un côté très mystique dans l'évangélion il n'y a, a pas des questions d'élu bon, après il y a une explication spécifique pourquoi lui mais euh, au départ on lui explique que bah, ça s'est fait comme ça voilà, il pilote et puis on pense tout euh, du coup, ouais, pour, pour euh, finir rapidement sur Evangelion, c'est vrai qu'il y a cette question de la de la cabale aussi et de euh, donc vous voyez au tout début, rappelez-vous du, du générique euh, de euh, Evangelion. Donc on a euh, ces espèces de surimpressions qui euh, qui apparaissent à l'écran. Tout ça vient d'un imaginaire qui est issu euh, de la cabale et euh, justement donc de euh, euh, voilà de la, la Bible. De euh, voilà on est dans l'Évangile, on est dans il y a les anges et juste pour montrer une petite illustration. Donc lorsque les anges meurent ils produisent une explosion de type crucifix c'est plutôt pas mal euh, donc voilà on est vraiment dans un imaginaire voilà encore une image d'ange on est voilà dans cet imaginaire mythologique là et évidemment, le, le Dolem qu'on vient de voir, ça nous rappelle le Golem du judaïsme, mais je, je trouve que cette figure est aussi intéressante toujours pour la question du pilote, parce que lui, il est piloté à distance. Donc, on aura envie de dire est-ce que c'est un méca Est-ce que c'est pas un méca Il en a tout au moins la taille, il en a les facultés, et il va affronter d'autres mécas, mais on va avoir ce questionnement du pilote qui va être tué si le dolème est tué en même temps que lui. Et cette idée du coup du dolème qui est utilisé à mauvais escient par, par, par le sorcier, par le... le le pilote par celui qui le détient, on voit que c'est absolument prégnant dans, dans cette série effectivement. Tu, tu peux un peu nous rappeler euh, d'où ça vient cette question du golem euh, et de cette euh, et de justement de cet héritage là bah justement le golem être de glaise et, et, et du coup je, je rebondis sur ce que disait Alexandra. Ces ces êtres dolèmes sont à la fois faits de sang bleu et de glaise, donc on a bien une nature euh, qui qui est lié à, à ce, mythe, euh, ce mythe fondateur euh, du judaïsme, un, un être de glaise donc qui est là pour défendre euh, le peuple juif tout simplement des, des envahisseurs, mais qui peut être détourné dès lors qu'on efface, qu'on réinscrit l'inscription qu'elle porte sur le front. Et ça, il s'agit de décrire un ordre sur le front ça. Du, du Golem, et puis Ou sous va... la forme d'un papier. C'est un imaginaire qui a été revivifié euh, toutes ces dernières années. Il y a eu notamment beaucoup de, de théâtres en réalité virtuelle qui est réinvesti. Euh, il y avait la compagnie Golem 13. Si vous avez l'occasion de voir leur spectacle, avec euh, l'idée que le, le Golem est en fait un avatar, tout simplement de, de des, des hommes aujourd'hui cette idée d'une entité qui est vide et qui a besoin d'autrui pour être nourrie mais là simplement pour notre question du méca c'est intéressant parce qu'à la fois on a syncrétisme religieux et là on est vraiment dans le thème de la mythologie mais aussi cette idée donc du pilotage à distance on n'est pas dans le drone mais on est dans une entité qui n'a donc pas de sentience pas de libre arbitre et qui fait disparaître son pilote dès lors qu'elle aussi euh, disparaît dans le combat J'avais une question aussi, un, sur, toujours sur cette question mythologique, c'est qu'il y a un point commun à, à, à ces œuvres, c'est évidemment euh, la question de l'urgence, la question de la fin du monde arrive vite, il faut euh, l'empêcher, et euh, que ce soit donc, dans Pacific Rim où il faut cancel the apocalypse, euh, dans Evangelion évidemment, puisque des anges viennent détruire euh, les villes, et, euh, et voilà, il bon, euh, y a systématiquement cette question d'une du, mise en urgence. Ou le voilà, c'est euh, il faut sauter dans le méca et puis euh, on a tout l'appui, euh, voilà, c'est ce côté dernier rempart de l'humanité. Et, euh, et en fait, moi je me, je me pose une question c'est euh, pour revenir un peu aux animés des années 80 euh, et un peu euh, au côté sériel de, de, de l'animation japonaise, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau épisode, il faut un ennemi à chaque nouveau épisode shinji va sauter dans le méca et détruire l'ange à chaque nouveau épisode des gundam vont s'affronter à chaque nouveau épisode goldorak va détruire tel ennemi etc ce côté répétitif il me semble euh, euh, nourrit euh, voilà une, une mythologie ou en tout cas une, euh, une temporalité de l'ordre de la fin du monde de l'Apocalypse. Est-ce qu'on peut un peu parler d'Apocalypse, si, si vous le voulez bien, notamment dans, dans Evangelion ou dans, ou dans ces séries-là Qu'est-ce que, qu -ce que ça implique, euh, ces, euh, cette accélération, ce, ce côté euh, C'est peut-être la dernière fois. Je crois tout de même que dans Evangelion, on a deux temporalités différentes. On a effectivement cet apocalypse, cette idée d'un impact qui pourrait survenir et effacer tout simplement l'humanité, mais on a aussi le temps qui est celui de d'un garçon en devenir. Il y a vraiment deux temporalités qui s'entrechoquent. Et, et quand on regarde les épisodes, on se rend compte qu'il y a souvent un malaise qui naît de la lenteur de la longueur des scènes, et notamment les deux derniers épisodes, quand vous aurez le loisir de les regarder, euh, la temporalité n'est plus du tout la même. Mais effectivement, on a quelque chose qui, qui va dans la redite, mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi une figuration du ressassement du personnage C'est précisément parce qu'il est dans le refus dans cette série d'aller combattre, qu'il y a sans cesse ce, ce conflit à la fois intérieur et extérieur, puisqu'il y a à chaque fois un nouvel ange qui se présente. Et euh, tout comme dans Pacific Crime, ça va être à chaque fois un ange plus destructeur encore, d'une catégorie encore différente. Et c'est. Euh, je, je reviens pourquoi à Pacific Crime Parce qu'il euh, y a le personnage du zoologiste, du Kai, je sais plus comment il est appelé, peut-être Zo Kaiju, quelque chose comme ça. Et euh, on a dans. Evangelion, la fascination d'aller voir le kaiju. Je pense aux camarades de Shinji qui veulent absolument, quitte à se mettre en danger dans l'épisode 2 ou 3, ils vont sur le champ de bataille et il euh, y a Eva qui les protège de son corps mais je crois qu'elle ne peut pas combattre à ce moment-là parce qu'elle est trop proche euh, des gamins, qui veulent absolument filmer une preuve de la présence du kaiju, même si c'est pour euh, risquer leur vie. Et de même, dans Pacific Rim, on a ce zoologiste qui va carrément, lui, aller entrer en symbiose, il va connecter son cerveau au péril de sa vie avec un des kaijus pour essayer tout simplement de, de voir quel est leur noir dessin. Mais cette question de la zoologie, non plus du mecha, mais de, de l'être hybride monstrueux qui attaque, elle est persistante dans toutes ces séries parce qu'on est vraiment dans la surenchère. Et, et si vous pensez notamment à Pacific Rim, on va essayer de savoir quel est le prochain monstre qui va attaquer il y en a un qui va dire, bah, du coup, il y en avait un, parfois il y en aura deux, il y en aura trois, il y en aura quatre. Et effectivement, ce côté apocalyptique, ça va être à la fois le nombre grossissant des êtres qui nous attaquent, mais aussi le temps qui semble raccourci, mais répétitif, comme si on ne pouvait rien faire pour empêcher cet apocalypse, qui est inévitable, et on est dans l'absurdité. Du, du, du temps qui passe et qui se répète. Et, et le dernier rempart n'est alors que symbolique, vu que le mecha est inlassablement détruit. Et on aura beaucoup d'épisodes dans lesquels, heureusement qu'on a trois pilotes dans Evangelion, parce qu'un des mechas, généralement, n'est pas remis du, du précédent combat. Effectivement, euh, dans, dans beaucoup de séries, enfin surtout les, les premières, on a le, le méchant monstre du jour qu'il va falloir aller combattre. Après, euh, les, beaucoup de séries se sont un peu affranchies, et donc il y, y a toujours, on va dire, le, le méchant du jour, mais euh, va y avoir un côté narratif qui va se dérouler en même derrière le côté euh, justement monstre du jour qu'on voit dans l'évangélion. Il y a tout le, le fil narratif qui se déroule derrière, et c'est le cas, euh, pareil, dans Darling in of Franks ou *Rags et Fonds*, parce qu'on a le, le dolème... Euh, du jour, mais chacun introduit un, un autre aspect euh, qui, qui pas forcément euh, qu'on ne voyait pas forcément dans ces séries. Un aspect psychologique en regard du personnage lui-même, euh, du héros, parce que certains vont, vont être confrontés avec le pouvoir spécifique de ce monstre-ci qui va impacter directement le pilote, ou impacter un autre proche du pilote, etc. Donc, a possiblement des, des conséquences dans un monde de rags et fonds. Quand on comprend ces euh, coins de qui sont derrière les de etc. Euh, il y a aussi la, la nature, là je pensais à, à Bukurano, où ce sont des enfants qui pilotent, donc c'est quasiment une fois, tous les, presque tous les jours, qu'il y a un nouveau monstre qui apparaît, nouveau pilote, parce que enfin, c'est pas vraiment un spoiler, mais parce que c'est quasiment dit dès le début de la série. En fait, les, les enfants littéralement meurent à chaque fin d'épisode, euh, parce que le, le méca se sert de leur énergie vitale. Donc une fois qu'ils ont fini de piloter et qu'éventuellement ils ont gagné, le pilote meurt, et donc c'est un autre enfant qui passe à sa place. Donc c'est expliqué dès le début. Soit le, si le méca perd, le pilote meurt et la planète meurt avec. Si, si le, le méca gagne, la Terre est sauvée mais le pilote meurt. Et euh, donc il y a cette typologie pour, les, pour les, les futurs pilotes de savoir qui va être le prochain à y passer, combien de temps est-ce qu'il me reste à moi, comment est-ce que je vais passer ce temps qu'il me reste sur Terre, qu'est-ce que je vais faire en fait du, des dernières 24 heures de vie qui me restent. Euh, surtout que le, les combats, pour, euh, dans Bukurano, c'est maximum, je crois, une trentaine ou une quarantaine d'heures à combattre. Au-delà de ça, c'est considéré comme un match nul et donc la Terre explose. Il voilà, y, y a des règles très spécifiques dans le méca, et une énorme répétition parce que c'est une boucle. On comprend qu'il y a d'autres enfants qui ont piloté avant eux. Pareil dans *Darling in the Franxx*, euh, ce sont des jeunes qui pilotent. Il y a un épisode ils se rendent compte qu'ils bah, ne sont pas les seuls à piloter. Il y a d'autres unités et que en, ces unités sont remplaçables. Donc pareil, euh, je, je suis remplaçable. Combien, comment est-ce que je vais passer le reste de, de mon temps Est-ce que c'est ça vraiment ma vie Est-ce que je veux vraiment piloter tout le temps, instablement, indéfiniment qui, au moment donné, où est-ce que ça s'arrête finalement euh, le combat contre les, les grands méchants C'est toujours aller, mais là dans Goran c'est pareil, ils combattent euh, toujours plus grand, plus, toujours plus lourd. Il y a à chaque fois euh, le général du grand méchant, puis c'est un peu un mode jeu vidéo. On a les sous-fifres, les sous-généraux, les, sous les généraux et le boss de fin, quasiment. Sur cette question de Bokurano euh, euh, et de, euh, de consommation de son pilote on a euh, et aussi cette idée de, euh, des, des, des personnages qui ne veulent plus y retourner, ou en tout cas qui sont contraints à y retourner. Souvent, il y a aussi cette question de la culpabilité. Euh, culpabilité qui est née du fait que euh, on a une figure du sauveur. Et là, pour le coup, on est vraiment dans de la mythologie. Euh, on a souvent cette figure du sauveur, c'est-à-dire que euh, seul Shinji peut nous sortir de cette situation. Seul, euh, voilà, tel personnage, voilà, Raxaphone, c'est le mecha. Euh, c'est Raxaphone qui va choisir ayato et on est toujours dans cette euh, dans cette question presque de l'élection divine. Est-ce que pareil, vous pouvez un peu euh, nous dire quelques mots sur cette euh, voilà, cette question d'une éventuelle providence Est-ce qu'il y aura un message euh, providentiel euh, là-dessus Pour ça, il faudrait peut-être revenir euh, en fait au premier épisode de chaque série et sur la manière dont ils découvrent le méca. Et on a effectivement l'illusion que c'est un hasard. Je pense notamment à alors est-ce que c'est Simon, Simon, ça dépend des traductions, qui trouve par hasard son collier de spirale, sauf qu'effectivement c'est le symbole de la spirale, il est attiré par lui, c'est lumineux, il le met en collier et c'est comme par hasard la clé. Qui lui permettra par la suite d'actionner son méca. On a la même chose dans Ereka Seven, où on pense que c'est par hasard qu'un méca vient s'écraser sur le hangar. Et comme par hasard, il a dans ses affaires la clé compacte qui avait été donnée par son père, qui est mort de manière valeureuse en, en empêchant un cataclysme. Et en fait, il n'y a pas véritablement de hasard. Ce n'est pas non plus tout à fait le méca qu'il choisit. Il y a quelque chose qui tient presque du destin dans ces narrations-là. Et ça va être à chaque fois un déclencheur qui, très souvent, va être accompagné d'une rencontre amoureuse. Très souvent, il va y avoir un personnage féminin qui va apparaître en même temps que le méca va apparaître, et euh, ça va être à la fois donc savoir apprivoiser le méca, même si ça va être généralement de manière assez euh, directe. Il n'y a pas trop de doute de la part du pilote qui rentre dans le méca. Il n'en a pas toujours envie. On l'a bien vu avec Shinji, mais euh, dès lors qu'on a une espèce de Connexion providentielle, ça se fait assez naturellement, la, la direction euh, du, du, du méca. Mais c'est plutôt par la suite à apprivoiser ses propres sentiments par rapport à une figure féminine qui va l'amener à s'émanciper et à devenir un meilleur pilote. Il y a vraiment un jeu d'écho dans toutes ces séries sur apprivoiser, contrôler ses sentiments, ses sentiments à la fois sexuels et puis intimes, pour devenir un meilleur pilote et être plus à même de contrôler, comme on va le dire ensuite, ce corps qui est en fait souvent un dédoublement de soi, une extension de soi, et qui représente aussi un, un passage à l'âge adulte. Mais cette question effectivement du sauveur, je pense qu'Evan Gillian, c'est vraiment le meilleur exemple pour ça. Je ne sais plus si c'était dans le film ou dans les derniers épisodes, on voit Shinji qui est traîné par terre. Pour, euh, pour remonter dans le méca, il n'en a pas du tout envie alors même qu'il sait pertinemment que ses, ses collègues femmes sont en danger et qu'elles sont blessées et c'est justement parce qu'il est presque hébété, abasourdi devant l'horreur de tout ce qu'il a vu qu'il ne souhaite plus combattre et, et dans les premiers épisodes c'est de voir Rey dans son lit d'hôpital, parce qu'on va carrément emmener le lit d'hôpital de Ray devant euh, une des Eva et c'est en la voyant euh, blessée, pensée, et sanglante que lui finalement va accepter de, de monter euh, dans ce méca mais effectivement, la, la question christique, elle est, elle est cryptique, elle est présente. Elle est pas, je pense, dans, dans Evangelion, elle est pertinente, dans les autres, elle n'est pas assumée comme étant un trope justement religieux. Mais cette question du sauveur, de l'unique rempart et de l'élection du personnage, élection généralement d'un personnage masculin, elle est effectivement euh, commune à, à toutes ces séries. Alors du coup à défaut que ce soit une élection peut-être divine, on a en tout cas on va s'intéresser maintenant à la question justement de, 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 de la relation précisément entre le mecha et son pilote. Donc je vous propose un, un nouvel extrait donc pour revenir sur ce que tu disais sur Pacific Rim. On va donc regarder un petit extrait de Pacific Rim, donc, pour rappel 2013, donc réalisé par Del Toro. Donc voilà un extrait pour euh, pour vous montrer. Alors on est au tout début du film et pour vous expliquer un peu le contexte. Donc en effet, euh, donc le Gypsy Danger va euh, secourir donc un, un bateau euh, euh, en mer. Et, euh, et donc un kaiju apparaît et vous avez vu donc euh, qu'il y a deux pilotes comme tu l'indiquais auparavant pour piloter donc ce, ce méca un pour chaque hémisphère du méca ou en tout cas qui a besoin d'utiliser de, 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 un seul hémisphère d'un de, 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 cerveau et donc les deux pilotes sont parfaitement synchronisés. À la fois entre eux et avec les mouvements, donc vous l'avez vu, du mecha, lorsque. Alors en plus, c'est assez intéressant de voir des dispositifs de contrôle euh, comme ça, puisque. Euh, euh, voilà, donc aussi, on a plusieurs modalités de pilotage de, euh, des différents mechas. Ben je vous propose de revenir un peu là-dessus sur, euh, sur cette question du, de la relation entre le pilote et le méca. Comment est-ce qu'on pilote un méca quelles sont les différentes manières de le piloter? Est-ce qu'on est toujours dans, dans, une, dans un mimétisme comme ça entre le pilote qui serait dans un cockpit euh, euh, absolument bien arrangé Est-ce qu'on est qu peut un peu revenir là-dessus chaque série a sa spécificité, je pense, parce que, bon, on va pas tout énumérer, mais par exemple, Erika Seven, on a vraiment des joysticks, et on, on est un peu comme dans Mazinger, on est dans une cabine, en fait, à proprement parler, à la différence qu'un des personnages d'Erika Seven est fusionné. Avec son méca, c'est assez intéressant, comme dans un papillon et elle flotte euh, dans, dans l'air. Donc il y, y a quand même des spécificités de ce type-là. A euh, savoir que dans Eureka 7, c'est intéressant, on a deux pilotes et quand les deux pilotes sont unis et amoureux très souvent, ça fonctionne encore mieux parce que la clé Compact Drive est stimulée en fait par leur, leur symbiose à eux deux et euh, le robot, le méca, peut donc dès lors lancer une attaque beaucoup plus forte. Euh, dans Evangelion, vous, vous l'avez vu un peu plus tôt, on va avoir une cabine de pilotage qui est tout de même trempée. Euh, dans un liquide qui s'appelle le liquide LCL orangé, que vous retrouvez d'ailleurs dans l'espèce de casque des deux pilotes de Pacific Rim et dans Evangelion on va vraiment mettre l'accent euh, au travers de la présence de la nerve sur euh, l'absolue la, la, obligation d'être bien synchro, d'être bien harmonieux et on va avoir tout un, un barda de termes scientifiques pour montrer que justement on est en connexion on est en équilibre, on est en harmonie on aura souvent l'image de l'hélice de l'ADN par exemple ou encore euh, d'harmonie musicale qui sont dessinées euh, sur l'écran l'idée d'harmonie et aussi qui réapparaît dans d'autres séries euh, on avait évoqué aussi, alors, je sais pas si du du coup, tu as l'image, euh, c'était Dragon Pilot qui, là encore, va un petit peu plus loin dans l'idée d'entrer dans le méca, puisqu'on entre dans un dragon et on rentre par ses viscères. Il faut que le dragon vous avale et ensuite, on fait son chemin, on se ferait le chemin dans l'estomac du dragon et quand on arrive à un point donné, il y a une interface, en fait, qui se lance exactement comme dans Pacific Rim, où cette fois, on a vraiment, en réalité, augmenté euh, différents écrans qui permettent de contrôler euh, ce dragon qui sert donc, euh, tout simplement, euh, d'outil de combat. Ce qui est intéressant aussi dans Pacific Rim, il me semble, c'est la contamination, peut-être, de l'univers aussi super-héros, parce qu'il va y avoir euh, une, un dédoublement des attaques quand elles sont effectuées à l'extérieur. On les voit en réalité augmenter autour des points, on voit tous ces rayonnements. Et il y a eu beaucoup de spéculations ensuite euh, dans, dans le milieu des comics où on disait du coup est-ce que Iron Man, qui lui aussi a cette espèce d'hélice, cette lumière sur le torse, est-ce que c'est un méca Alors le, con, le consensus dit non, ce n'est pas un méca, c'est un exosquelette, c'est une, une élongation euh, d'anthropotechnique de son corps, ce n'est pas un méca. Donc euh, voilà l'opinion commune. Mais euh, du coup, on peut, pour résumer, avoir des, des cabines de pilotage qui sont extrêmement variées. Les plus intéressantes, généralement, vont essayer de jouer à fond la carte de euh, la fusion physique et surtout l'idée euh, du membre mort. On vous blesse à l'extérieur, vous êtes blessé à l'intérieur, même si ce n'est euh, que dans votre euh, psyché que vous avez euh, le, le sentiment de faire partie en cohésion. Et ça, ça va être un un ressort significatif dans pacific rim puisque euh, la première pilote femme qui pilotera avec le, le héros elle va euh, dès qu'elle se synchronise en fait plonger dans les souvenirs dans la psyché de son camarade mais aussi dans la sienne et en fait elle va revivre des scènes terribles du passé et il va falloir que l'autre pilote la secoue pour lui dire tu n'es que dans les projections de ta psyché et dès lors, je pense que le méca, c'est un trop utile, parce que lui-même, il faut qu'on réalise des actions pour qu'en miroir, par mimétisme, elle se réalise à l'extérieur. Et il faut aussi, dans ces séries, rentrer en soi pour changer à l'extérieur. Et donc, du coup, le méca, un peu en poupée russe, il permet différents oui. jeux de tiroirs, différents jeux sur la psyché et sur l'intimité. Et quelque part, la cabine du pilote, ça fait penser à, peut-être pour simplifier, un peu, la, une question d'un inconscient en rentrant dans le méca, on rentre aussi dans sa propre tête et en faisant un combat, on fait un combat aussi sur soi. Je pense qu'avec Evan Gellion, c'est un bon exemple de, de ce questionnement-là, oui. Je suis d'accord avec Fleur. Après, je rajouterai d'autres exemples comme euh, Darling in the Franks où il y a là aussi la question du double pilotage, puisque ce sont les, les garçons, les voilà, on les montrera dans la section suivante. Mais grosso modo, euh, c'est toujours une un garçon. Une petite image. Voilà, une petite c'est toujours Il y a des euh... enfants Non, ça a l'air d'aller. Non, ça va. C'est authentiquement comme ça. Hein. Voilà. Euh... Il y a une façon de piloter qui est très, très particulière. Donc, les pilotes doivent forcément être deux, forcément majoritairement un garçon et une fille. C'est le garçon qui pilote et c'est la fille qui se connecte avec le méca, puisqu'on se rend compte qu'elle devient le méca par interface. Et dans le même, pareil, la même chose, c'est-à-dire que les, les deux pilotes doivent bien s'entendre pour avoir le, une synchronisation euh, optimum. Après, c'est pour ça que ceux qui sont les pilotes appelés des parasites généralement vivent ensemble, font tout ensemble, mangent ensemble, etc., euh, qu'ils se connaissent depuis euh, longtemps. On a aussi la question un peu du double pilotage dans Escaflone, même si, dans, si le personnage principal Van pu, pu, pilote son escaflone tout seul, le lien qu'il va créer avec Itomi, qui sera à la fois un lien euh, on va dire euh, pratique mais aussi euh, bah, par la suite amoureux, euh, lui permet de, bah, de développer des sens avec son escaflone qu'il n'avait pas jusque là et donc euh, mieux appréhender des ennemis notamment invisibles qui Itomi grâce à son pendentif, lui permet de, de visualiser. C'est pareil dans euh, Five Star Stories où il euh, y a la question du diable pilotage. Là, ce sont pareil des, des Fatimas qui sont en fait des, des êtres organiques et en même temps une sorte d'ordinateur qu'ils ont créé spécifiquement pour euh, les robots. Alors, majoritairement, elles sont féminines, elles ont des apparences de, de femmes, mais il existe quelques versions mâles, euh, qui sont avec leur, leur maître à qui elles obéissent au doigt et à l'œil. Euh, et donc en général après elles ont une attitude servile mais il est demandé si c'est possible d'avoir une, une bonne entente avec sa Fatima pour que le robot fonctionne c'est la même chose dans, dans The Big O là il n'y a pas la question du double pilotage mais chaque fois que le pilote, enfin, le héros monte dans son robot le robot lui pose une question à savoir en gros est-ce qu'il est digne de monter si la réponse est oui il s'active si la réponse est non euh, et ben, le pilote risque de mourir et c'est la même chose dans Darling In The Frank, c'est-à-dire, outre le fait que bah, s'ils ne sont pas compatibles, bah, le robot n'avance pas, il y a aussi la question de la mise en danger, parce que si la fille décide de, de piloter toute seule et d'activer le robot toute seule, elle se met elle-même en danger, euh, elle peut faire bouger, mais il y, y, y a un risque justement pour elle et pour la machine. Alors je vous, je vous propose justement un extrait euh, pour revenir sur, euh, sur ce, ces questions-là. Alors pas, pas tout de suite de double pilotage, on y reviendra. Mais, euh, mais je vous propose du coup de regarder un extrait d'Evangelion. Alors ça peut sembler mystérieux, mais on est vraiment à la fin du deuxième épisode, donc pas de panique. Et donc c'est une rencontre entre, entre le pilote et son mecha, à savoir entre Shinji et l'Eva 01. Et donc euh, comme on l'indiquait auparavant, c'est euh, voilà, la, la nature de l'Eva va être un grand mystère dans, euh, dans Evangelion. Pardon très rapidement un peu de contexte. Donc il vient d'affronter l'ange, euh, son Eva a été blessé et il vient d'être sorti avec l'espèce de petit tube qu'on insère dans le méca. Il a été sorti et mis un peu sur le côté. Voilà. Alors je tenais à mettre le plan de fin pour que vous, vous voyez bien le, 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 la, la teneur d'Evangelion. Qui, euh, qui, voilà, donc ce, ce plan de fin où Shinji n'arrive pas à dormir, il euh, n'y a rien qui, qui s'enchaîne derrière. Hein, c'est vraiment juste un, un, un plan qui, qui rappelle l'intériorité le, 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 du personnage et du coup son insomnie. Et du coup, pour revenir là-dessus, là c'est on on, là, vraiment un face-à-face -face entre le pilote et son mecha, et entre cette question de euh, qu'est qu vraiment euh, mon méca, donc qui est au centre d'Evangelion, et ça, promis, on ne vous en dira rien... Et donc arrive la question euh, donc de euh, comment est-ce qu'on on arrive à dialoguer avec un méca quelle est notre relation et, euh, et du coup notamment cette question donc, du parasitage où là je crois fleur tu as quelques, <laughs> quelques éléments à nous, à nous présenter. Mais j'allais juste ajouter quelque chose parce que ça m'a frappé quand tu évoquais euh, l'entry le, plug qui ressemble à une grosse seringue en fait qu'on enfonce euh, à l'arrière de la tête quasiment dans la moelle épinière en quelque sorte du, du méca. C'est effectivement la question pertinente de savoir si on peut ou non quitter le méca en plein combat et certains vont utiliser des moyens plus ou moins amusants. On va avoir dans le Code Geass un espèce de siège éjectable qui, avec des parachutes qui nous emmènent un petit peu plus loin du méca. Euh, on va voir que ça va être particulièrement problématique dans Evangelion parce qu'à de nombreuses reprises, on va essayer... D'enlever l'entry plug et c'est pas très sécurisé, ça va tomber par terre et ça peut aussi se briser et donc blesser le pilote. Mais cette question aussi de la sortie du méca, on y entre souvent de force, on n'en sort pas toujours vivant, il me semble que c'est aussi intéressant. Siège éjectable ou pas siège éjectable, ça reste aussi une question intéressante dans le méca. Et effectivement, euh, concernant le parasitisme, il me semble que c'est un point d'entrée euh, qui est essentiel si on rejoint aussi de manière beaucoup plus générale ce questionnement dans la science-fiction euh, plus tardive. Vous avez dans pas mal de séries de science-fiction euh, comme Lex, comme Farscape notamment, la question persistante du vaisseau vivant. Euh, ici, vous avez une image de pilote qui n'est autre, comme son nom l'indique, que le pilote de Moya. Moya qui est euh, une baleine bio-organique, biomécanique, qui est euh, sentiante, qui a des émotions et qui communique avec son pilote, il est le seul à pouvoir l'entendre, à pouvoir lui communiquer ses émotions. et euh, manque de chance pour lui, il fait partie d'une race extraterrestre qui doit être reliée euh, neurologiquement à euh, l'entité qu'il conduit pour à la fois lui donner des ordres et pour pouvoir communier avec elle. et euh, pour vous résumer très brièvement cette série, euh, ça va poser à de très nombreuses reprises des problèmes, puisque si le vaisseau est vivant, ça veut dire que les organismes humains, et Extraterrestres qui se baladent dans, dans ses entrailles peuvent être des parasites, peuvent être une maladie. Et très souvent, dans certains épisodes, Moya va essayer d'éliminer euh, l'équipage. Quand elle sera enceinte, par exemple, elle va estimer que c'est comme si elle avait au sein de son organisme des microbes et qu'il faudra envoyer des petits robots nettoyeurs pour éliminer l'équipage avec qui, normalement, elle s'entend bien. Donc, dans la science-fiction, vous allez trouver à de nombreuses reprises le trope du vaisseau vivant, d'un être mécanique, organique. Et dès lors qu'il a quelque chose en lui, ça lui pose problème puisqu'il veut le rejeté. Et dans Evangelion, alors à savoir si la traduction est correcte ou pas, euh, j'ai trouvé à un moment le terme de rejet. Cette idée, donc, que quelque part, Shinji est un greffon qui n'a pas pris euh, sur le porte-greffe. Et donc, cette idée qu'il n'y a pas eu euh, cohésion, c'est comme s'il était ce qu'on appelle une exogreffe, il est rejeté par le corps d'accueil pour diverses raisons, peut-être parce qu'il n'est pas apte, parce qu'à ce moment-là, ça ne fonctionnait pas. Et cette idée du rejet, ce, ce trope médical, c'est vraiment intéressant parce que derrière le terme parasite, on met souvent à tort tout et n'importe quoi, alors même que la relation parasitaire, c'est une relation de déséquilibre, fondamentalement. Euh, quand on a une relation d'équilibre, on va être dans ce qu'on appelle le commensalisme. Par exemple, vous pensez aux poissons pilotes qui vont manger les petits débris que laissent les requins. On peut être aussi dans la symbiose, qui est vraiment une, un parfait équilibre entre les deux parties, euh, où chacun tire profit, euh, l'un et l'autre, de cette cohabitation entre ce qu'on appelle le parasite et l'autre. C'est un, un parasite opportuniste, mais ch chacun est, est content de cette collaboration. Le problème du parasitisme, c'est précisément qu'on est dans un déséquilibre. On va avoir un parasite qui, souvent de force, va rentrer à l'intérieur, qu'il soit ectoparasite, endoparasite, et il va tirer euh, force vitale, euh, débris euh, alimentaires, différentes choses en fait, de la part de son hôte qui généralement ignore sa présence et euh, tout le toute toute l'urgence, en fait, pour le parasite, c'est d'arriver à garder un équilibre pour que son hôte ne le rejette pas, parce que, en fait, sa présence dans ce corps, ça va lui faciliter sa reproduction, son alimentation, sa sécurité, etc., etc. Et euh, l'exemple ici qui est très significatif, vous l'avez peut-être déjà croisé sur YouTube, parce que cette vidéo fait assez fureur. C'est ce qu'on appelle le, la douve. C'est un parasite, en fait, qui est capable de faire de son hôte un zombie. L'escargot, le, par accident, va manger euh, les déjections d'un oiseau. Le parasite va faire son chemin dans l'escargot. Et euh, là où moi, ça me fait beaucoup penser à tous ces, ces récits de méca, la présence du parasite dans le corps de l'escargot va transformer l'apparence de l'escargot qui, soudainement, va ressembler euh, au niveau de ses orbites à une chenille. Et pourquoi simplement pour recommencer le cycle à parasitaire et que le parasite soit avalé par l'oiseau. Bref, ce qui est intéressant avec ce trope du parasite, c'est de voir que c'est une relation déséquilibrée. Et précisément, dans pas mal de ces récits de méca, on va avoir le problème de savoir est-ce que le pilote ne tire pas profit malgré lui du méca, est-ce que sa présence n'altère pas la pensée et même souvent euh, l'apparence en fait du méca. Et la question, c'est effectivement de savoir est-ce que le méca dès lors n'est plus un outil de guerre un outil mécanique mais bien un être semi-organique biomécanique qui dès lors devrait être préservé de la présence parasitaire et spoliatrice en fait de, de ce pilote et c'est pour ça qu'à de nombreuses reprises, on va avoir dans les mécas des câbles qui nous rappellent des réseaux sanguins, euh, des, des, des flux, des liquides qui nous rappellent à la fois liquide amniotique et puis tout simplement réseau sanguin et l'idée que le pilote, il profite justement euh, de, de, de cet espace hospitalier qui l'accueille bien malgré lui. Mais effectivement, c'est difficile de, de commenter une à une ces séries sans déflorer les intrigues. Mais effectivement, si vous les regardez, ayez en tête l'idée du... D'un déséquilibre et non pas d'une symbiose aussi évidente. Parce qu'on euh, va voir sans cesse dans ces séries le trope de la symbiose. Le pilote doit être en symbiose, en harmonie, en coexistence avec son méca. Et dès lors qu'il va y avoir des difficultés, ça va venir précisément du fait que le pilote se transforme non pas en symbiose, mais en parasite pour le méca dans lequel il a pris place. Et le Méca peut être un parasite. J'ai pas parlé dans le micro du tout, du coup. Le, le, le pilote aussi euh, peut être un parasite pour le Méca. C'est intéressant et nécessaire de le dire, puisque lui aussi parfois va engendrer euh, des problèmes pour son Méca quand il refuse par exemple de se battre et que euh, l'eva finit euh, déchiquetée et blessée. Du coup, justement pour cette question du, du, du parasitisme, pas, pas parasitage. Paralysie. Okay. Euh, je voulais revenir sur cette question, donc euh, qui est une question importante, comme tu, comme tu l'évoquais, la question du méca organique. Mm -hmm. euh, et alors, du coup, j'ai envie de vous, vous poser toujours cet euh, cette exemple, moi qui me semble être une frontière. Donc, l'attaque des Titans. Euh, donc, l'attaque des Titans. On apprend très très vite. Que euh, donc Eren, le jeune garçon, euh, euh, donc dans, dans une espèce de, 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 de monde médiéval euh, où des, des titans. Euh, il, en fait, il est dans une espèce de monde médiéval où des titans de plusieurs mètres anthropophages commencent à dévorer tout ce qui bouge. Et en fait, euh, l'humanité, toujours dans cette logique de dernier rempart, essaie de lutter tant bien que mal. Et en fait, à l'épisode 4-5, il va se rendre compte très rapidement qu'il est lui-même en capacité, et il est le seul à le faire, euh, il est lui-même en capacité de se transformer en titan. Euh, et il met euh, déjà assez longtemps pour se rendre compte comment faire. Et on est, voilà, on est dans un cas un peu frontière, puisque on est euh, strictement dans du méca organique. Il n'y a pas une once euh, mécanique dans, dans ce titan-là. Et, euh, et du coup, on y, on y reviendra un peu plus tard. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de donc de, de cette question du méca proprement organique je, je passe juste du coup des, des extraits de. Non, euh, ça c'est pas ça c'est pas du tout. Euh... Non, c'est pas l'extrait que je voulais montrer. Mais, euh, mais voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette question euh, mécanique Et alors, justement, bon, alors, je, je vous les montre quand même. Donc, c'est des, des images euh, issues du film euh, Vision d'Escaflon, euh, qui, euh, du coup, voilà, montre euh, une, euh, comment dire, une, une osmose euh, de, euh, donc de euh, entre le pilote et, et son méca. Mais pour revenir sur cette question donc, voilà, des mécas organiques, quels sont un peu les attributs, peut-être, de ces mécas euh, quelles sont euh, voilà, leurs spécificités est-ce qu'on est, qu est encore dans du méca alors qu'on est vraiment euh, dans cette question là Je débute brièvement et je laisserai le, le micro ensuite à Alexandra euh, pour euh, l'attaque des titans ce qui semble intéressant euh, c'est l'idée que le pilote est, et du coup j'utilise le lapsus pilote et ça veut bien dire que pour moi c'est un méca euh, il est dans le corps et il est au niveau du, du, de la moelle épinière du système nerveux et c'est effectivement comme s'il si était Partie prenante de ce corps qui devient euh, entièrement sa cabine de pilotage. Donc il me semble là-dessus que dès lors, on peut dire que le trope du méca, si on voulait revenir à notre typologie, la question du gigantisme, on l'a euh, plus que de raison, il n'y a pas de problème. Et cette question du pilotage, elle est vraiment prégnante dans la définition du méca. Et euh, cette question des mécas bio-organiques, organique uniquement, on voit que la frontière est très souvent poreuse. J'avais pris l'exemple au début de reca 7 avec cette idée des archétypes qui sont euh, des exosquelettes organiques retirés de la matière corallienne auxquels on surajoute en fait une structure mécanique et ça en fait de ça les transforme en LFO qui deviennent donc des mécas euh, de combat. Mais donc on va avoir très régulièrement dans toutes ces séries de notre corpus euh, un doute qui persiste sur la nature du méca, et très souvent on va se rendre compte que ce qu'on pensait n'être que des, des bouts de ferraille, c'est en vérité euh, un être biomécanique, bioorganique. Et peut être que sur Escaflowne, du coup, Alexandra voudrait alors le film escalone est assez différent de la série puisque il reprend pas tout donc c'est assez difficile de, de synthétiser en une heure et demie 26 épisodes donc il part sur un postulat relativement différent beaucoup plus sombre et beaucoup plus organique il euh, le mecha a vu son, son design euh, revu et corrigé pour quelque chose de, de beaucoup plus euh, on va dire brut on va dire plus rocailleux euh, d'ailleurs l'héroïne itomi la au tout début du film, elle se retrouve à l'intérieur et on a vraiment l'impression qu'elle a été avalée, qu'elle se retrouve dans des entrailles. Et quand le, le méca s'ouvre, euh, on a l'impression qu'il la recrache par, par, avec les viscères, parce qu'on a vraiment le, le bruit de la chair et du sang. Et euh, en tout cas, il garde dans, dans l'idée, donc ce soit dans la série ou dans le film, que le pilote doit passer un pacte de sang euh, avec son, son méca. Et régulièrement, enfin, et, et Scaflon a une. On va dire de j'aime rouge sur le côté qui voit son cœur donc on le voit battre donc il a une, une sorte de cœur organique et dans la version filmique euh, les, les pilotes justement le, fin, le méca s'abreuve directement du sang du pilote donc il plante directement euh, tout son mécanisme dans bah dans les veines du pilote, dans les différents corps du pilote, donc on voit qu'il a des, des circuits dans les bras, dans les mains, un peu partout. Et euh, quand Escaflone retire son épée de son dos, enfin, enfin carrément des litres d'hémoglobine qui sortent. Et c'est la même chose quand il se, quand Escaflon est touché, Van est directement touché, il y a pareil du, du sang qui sort. Donc là, il y a vraiment, vraiment le poussé organique poussé à son paroxysme. Après, pour le, je dirais que dans même chose, dans Darling in the frank même si les pilotes sont pas touchés directement. Euh, les Franks sont à la fois des entités, on va dire, plus ou moins biomécaniques, et euh, pour revenir sur la question du parasite, les pilotes sont appelés des parasites. Euh, donc il y, y a vraiment cette question là. Bon après Darling's of the aborde plutôt d'autres choses que le, le bioméca a proprement parlé. Mais il y a d'autres séries comme Neoranga ou même euh, Argento Soma où on se pose la question de l'entité. Est-ce que Franck dans Argento Soma est euh, mécanique ou, ou biologique Alors c est, c est il est considéré comme un alien, mais étant donné que il a sa propre mode de pensée et piloté entre guillemets par une, par une fillette qui lui indique un peu parce que ça reste une gamine Ariette qui lui indique euh, qui pense qu'il est, qu est une fée et donc euh, l'appelle Monsieur Fée tout au long de la série et lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, sachant qu'elle est manipulée ensuite par l'armée. Il euh, y a cette question-là, il y a une forme de, de fusion, là on va dire plutôt émotionnelle entre la, la fillette et, et, et le robot, et c'est le cas dans d'autres séries où il y a, c'est pas forcément nécessairement du biomécanique, mais on parle souvent justement du, du lien affectif et affectueux qu'on peut avoir avec son avec son méca, qu'on peut avoir avec son copilote. Euh, dans Pat Labor, justement, c'est parce qu'elle a une bonne relation avec le robot qu'elle a elle-même euh, intitulé Alphonse que, alors, Elodie en français et euh, Noah en version originale, arrivent à tirer les meilleures capacités, justement, de son robot. Euh, donc, il n'y a, a pas une, que ça, je dirais de, de biomécanique, mais c'est vrai que le, le fait d'en rajouter des mécas biomécaniques ça, ça fout justement les notions de real robot et de super robot, puisque c'était les entités 100% mécaniques et, et là, on se retrouve un peu dans, dans le mélange de genre et qui, qui va beaucoup plus loin avec des technologies. Parce qu'en science, on se dit, euh, bah, tiens, si c'est si est biologique, est-ce que ça n'a pas une conscience, une âme, est-ce qu'on a, est qu a raison de les piloter, est-ce qu'on ne devrait pas les laisser tranquilles ou ce genre de choses. Euh, parce que dans donc même si c'est 100% mécanique, c'est considéré comme des sortes d'animaux, enfin, des organismes mécaniques vivants, avec lesquels, euh, finalement, il faut essayer de vivre en harmonie pour en tirer le, le meilleur. Donc il y a euh, cette question-là, des fois un peu, un peu morale est-ce que c'est bien ou mal de piloter ce genre de, de robot sachant que souvent, au début on avait euh, souvent les, le rempart contre l'humanité c'est le robot géant contre une entité souvent organique, c'était le cas d'un Gunbuster, et après on voit des séries où justement on utilise euh, l'entité ennemie contre lui-même c'est-à-dire qu'on se reprend euh, on va prendre de l'extraterrestre pour en faire un, un, un méca biomécanique parce qu'il n'y a que contre euh, à Hermes et Cal qu'on va pouvoir battre euh, bah, euh, l'ennemi en face quoi, en utilisant euh, lui-même. Ok, alors je, je vous propose... Euh, alors je vois l'heure euh, leur tournée. Donc on arrive à notre dernière partie. Donc accrochez-vous encore. De toute manière, cette partie va vous plaire, bande de coquins. Et on arrive donc évidemment à la question du trouble adolescent. Donc euh, toujours pour revenir alors, à cette question du, du double pilotage que tu évoquais tout à l'heure. Je vous propose un extrait donc du neuvième épisode des C'est pas un gros spoil, c'est un tout petit spoil visuel. Et on arrive donc euh, à la rencontre donc de Asuka, euh, qui est donc la, la, la deuxième pilote de, de son propre robot, le robot rouge que vous avez pu voir. Et, euh, et Asuka trouble manifestement euh, entourage, euh, son entourage adolescent et notamment Shinji qui aura du mal à se l'avouer. Et on va donc euh, regarder un extrait où ils doivent s'entraîner à se synchroniser entre eux pour euh, apprendre à, à résoudre une situation. Donc, euh, donc comme tu l'évoquais tout à l'heure, il y a cette question du, du duo entre le mecha et le pilote mais évidemment aussi du du rapport euh, à son méca à son, à son enveloppe corporelle mais euh, mais aussi aux autres forcément et c'est ce qu'interrogent euh, beaucoup les, les robots animés et en fait pendant toute la série donc Aska va jouer ce rôle de euh, de euh, comment dire de de l'adolescente euh, de l'adolescente en fait qui euh, veut devenir adulte trop vite et euh, et je crois en fait que c'est peut-être, euh, c'est peut-être, euh, voilà, ce, ce genre, ce genre de séquence dans les peut-être condense, ou en tout cas met en avant vraiment euh, euh, ce questionnement par rapport au corps euh, des jeunes adolescents, donc euh, des protagonistes. Et, et je crois que c'est peut-être une des, des problématiques principales du robot animé, c'est la question du, euh, un corps de, un corps d'adulte pour une âme d'enfant en fait. Et souvent la. la Souvent, les, 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 les récits de Mecha vont raconter cette évolution dans un corps euh, inadapté. Alors, là, du coup, cette séquence-là, euh, voilà, euh, à la fois raconte ce double pilotage et cette, euh, cette euh, Aska, donc cette, euh, cette fille qui est, qui est une véritable peste, qui l'insulte tout le temps. Et il va devoir apprendre euh, à, à l'accepter. Et donc, on voit bien dans l'extrait que Shinji n'est pas tout à fait confortable à, à, avec, euh, avec le fait qu'elle se balade en culotte à côté. Euh, elle le rejette systématiquement. Et, et à la fin, on voit bien qu'il euh, est, est quand même troublé. Euh, avant, évidemment, de faire euh, euh, l'iapar. à part. Donc voilà, est-ce que vous pouvez un peu peut-être euh, revenir sur cette question à la fois du corps et l'importance du corps dans euh, le, les robots animés, et plus particulièrement, notamment la question de l'éveil de la sexualité pour des jeunes pilotes qui, euh, qui apprennent euh, donc à, à grandir aussi euh, de ce côté-là. Alors, dans, dans, dans beaucoup de séries, effectivement, il y avait la question du double pilotage qui était fait notamment par un garçon et une fille, ou en tout cas un homme et une femme. Et euh, ce qui réveille effectivement euh, l'idée qu'il y a une mise en couple. Euh, alors je dirais pas jusqu'à dire forcé, mais qui va servir l'intrigue, le sentiment euh, amoureux qui permet de faire. Euh mieux fonctionner euh, le mec à autre. Et dans plusieurs séries, en fait on nous explique ici, ce sont des, des jeunes, alors à la fois la symbolique de, des jeunes qui vont combattre à la place des, des parents défectifs, enfin, défectueux ou qui absent, mais euh, dans d'autres dans séries, on vous explique que si ce sont des enfants, c'est justement parce qu'il y a cet éveil de la sexualité qui en fait propose une sorte d'énergie qui va pouvoir alimenter le robot. Le fait d'avoir des organes reproducteurs... Euh, D'être en grosso modo jeune et qui commence à avoir l'éveil à la sexualité. Et ce genre de, on va dire de pulsion sexuelle permet d'éveiller le robot à sa, à sa meilleure potentialité, c'est le cas dans certaines séries, expliquées de manière plus ou moins explicite. Donc il y a effectivement ce, ce rapport à la sexualité dans, dans certaines séries. Après, euh, il y a effectivement dans Evangelion le fait que Shinji soit majoritairement entouré d'un caste féminin, puisqu'il habite chez Misato, il vit avec Asuka, il côtoie effectivement Rei, euh, très mal à l'aise avec euh, toute la jambe féminine qui gravite autour de lui. Euh, qui n'ont pas forcément conscience de leur corps, c'est le cas pour elle, euh, qui le mettent très en avant dans le cas d'Aska parce qu'elle veut être adulte, et Misato qui est on va dire, une jeune adulte fêtarde qui n'a pas honte on va dire, de sa sexualité. Donc il y a une mise en avant justement de la sexualité féminine autour de, bah, de jeunes garçons euh, en pleine puberté. Euh, dans, dans Darling in the Franxx, il y a tout un épisode où c'est filles contre garçons. Euh, où les filles, justement, euh, reprochent aux garçons cet aspect euh, voyeur. Euh, et une des héroïnes, zéro tout, de conclure que, bah, justement, pour mieux piloter, il faut être un peu voyeur sur les bords. Ça, ça permet d'aider à mieux piloter. Donc, je, je te propose qu'on passe quelques images pour que les gens se... Vu du pilote... C'est vraiment l'angoisse. Hein. <laughs> oui, il y a des, des, des plans très... Euh... Très explicite sur. Euh, je dire la première fois que les filles se connectent euh, au robot, on a l'impression limite qu'elles ont un orgasme. Donc, c'est. Mm. Voilà. Alors, j'attire rapidement votre attention sur euh, les gouttes de sueur et sur l'importance euh, des fluides corporels dans euh, la série. Il y a de la bave, il y, a des, il y a de la sueur. Et pour le coup, on revient dans l'organicité, non pas des mécas, mais pour le coup des pilotes. Quoi. Encore quelques images. Donc voilà. Alors à l'arrière de la tête, donc on a euh, un écran. Il est impossible de faire autrement quand on pilote un méca. Hein. Alors là, j'espère que vous verrez les sous-titres. C'est vraiment très très bien. Parce que quand, quand il se connecte, effectivement, on se connecte pas uniquement au robot, on se connecte avec son partenaire. Et donc, il y a des passages où on peut voir un peu comme dans Pacific Rim, on plonge dans les souvenirs et les sensations de la personne. Et donc, à plusieurs reprises, on a le héros, euh, héros qui, qui parle à zéro tout en disant bah, justement que, que le fait qu'il soit parfaitement en harmonie avec elle, il arrive à, à ressentir ce qu'elle ressent, euh, il a l'impression d'être en elle. Donc, il y a plein de passages où le texte est très, très, très suggestif, même c est, c est sans équivoque. Euh, même certains avaient Analyser, je crois, les premières scènes de connexion entre Zero Two Hiro, c'était limite un, quelque part un acte sexuel, parce que Hiro, en fait, au début de la série, n'arrive pas à se connecter avec une certaine fille, mais ça passe avec Zero Two. Et donc, en fait, il y a tout un descriptif où il explique sa, sa sensation du, du pilotage, qui est en fait presque un descriptif d'un acte sexuel sur le fait que, ben, en gros, ça glisse tout seul et que c'est génial. Il, a, il arrive enfin à être un homme, un vrai. Et il y a des séries comme Goren Lagan, où bon, effectivement le héros Simon a un petit faible pour euh, une des héroïnes, Yoko. Et il euh, y, y a tout un passage où on, on explique euh, le, le début de la sexualité, enfin pas forcément à Simon de manière explicite, mais euh, euh, le fait d'être entouré de plus en plus de personnages féminins, ça, ça le met aussi mal à l'aise, il est un peu timide. Euh, et le, le, le fait que bah, Goren Lagan a un côté très. Euh, masculin, on va dire, avec des vrilles partout, donc il y a des objets phalliques un petit peu partout. Euh, et il y a tout un épisode où les, les garçons sont dans, on va dire, un... Des bains euh, ou un spa euh, font une pause, on va dire dans la baston, et on décide d'aller reluquer les filles. Il y a toujours un épisode un peu, enfin pas toutes les séries, un peu euh, maillot de bain, reluquage, filles contre garçons. Donc il y a toujours un peu le côté voyeur et fanservice, surtout de certaines séries qui mettent bien l'accent sur les, le fessier ou les poitrines de ces dames. Donc là effectivement, ça, pour certaines ça dessert la série ou ça, ça exagère le, le propos un peu comme Darling in the Franxx, mais ça cible aussi un public très spécifique, généralement plutôt masculin pour ensuite aller éventuellement vendre des figurines d'héroïne de, en maillot de bain si possible, hein, ça, ça sert toujours. Mais euh, sachant que la majorité des pilotes, cest la plupart, ont entre 14, 15, 16 ans, donc sont, on est en plein dans la période de l'adolescence, sortie de l'enfance, mais pas encore des adultes, et il euh, y a le rapport au, au féminin et au masculin. Alors effectivement, dans darling of France, c'est très particulier, puisqu'ils ont normalement aucune notion de sexualité, puisqu'ils ont été... Euh, euh, éloigné de tous ces, ces objets. Ils ont, même au début, l'un demande qu'est-ce que c'est un baiser parce que Zéro tout embrassait les héros, et les autres se disent mais c'est quoi un baiser C'est quoi Comment est-ce qu'on fait Explique-nous. Euh, et donc après, il y a aussi une des qui est obsédée justement par la. Qui, elle découvre un livre sur la maternité et est obsédée par ça. Donc il y a tout le rapport, on va dire, à la, à la sexualité. Enfin, en tout cas, c'est l'un des, des thèmes prenants dans *Darling in the Franxx* et qui s'est effectivement dilué dans d'autres. Euh, Séries alors plus certaines plus sur le sentiment amoureux et d'autres qui vont plus s'orienter sur le côté sexuel. Je voulais juste euh, du coup ajouter euh, pour pour Evangelion euh, peut-être une, une question rapide sur cette euh, sur cette euh, euh, question là de de, de, de de la du regard du, du male gaze du vraiment du, de, de la vision très euh, euh, mascue de euh, peut-être des, des, des animés de mecha Est-ce que Evangelion à votre sens subvertit un peu cette question là? en attribuant des caractéristiques euh, euh, comment dire des, des caractéristiques qu'on attribue euh, habituellement à des personnages féminins qu'on attribue à shinji le fait que son car design est issu de Nadia, le secret de l'eau bleue, alors que elle, enfin, qui est un personnage féminin. Et euh, le, fait que, euh, le fait que, voilà, on a des vrais questionnements sur euh, Asuka et son rapport à son corps. Misato, comme tu le disais, qui est un personnage qui a une sexualité, c'est pas du tout tabou dans la série. Euh, et, du coup, alors je le dis très euh, de manière très. Euh, Comment dire J'évite le spoil, mais éventuellement, voilà, des, un questionnement éventuellement euh, homosexuel euh, chez Shinji. Est-ce que, euh, est-ce que voilà, euh, est-ce que pour vous ça subvertit en tout cas c'est euh, cet ancrage-là dans une vision euh, euh, hétérocentrée euh, hétéro euh, patriarcale bah, Je pense surtout à des scènes en particulier. Euh, Shinji va très souvent revêtir, bien malgré lui, des vêtements féminins. Euh, on va avoir un moment quand il sera, bah, je crois, justement sur le, le navire de guerre. On va l'obliger à revêtir la combinaison rouge d'Asuka. Il est très gêné parce que du coup, ça lui, ça lui fait des formes qu'il n'a habituellement pas. Euh, quand ils vont devoir synchroniser aussi leur, leur pas de twister, il va être forcé d'être habillé avec un, un mini-haut. Et quand la déléguée de classe vient le voir, il se sent... Euh, bien stupide mais euh, je pensais aussi à une autre scène quand on parlait de comment le mecha euh, métaphorise ce corps en changement euh, la question de la dilatation thermique qui paraît complètement anecdotique, elle va être centrale dans un des épisodes où Shinji va visiblement avoir sa première érection euh, dans encore les fameux bains où il y a un petit euh, un, une barrière de jonc qui le sépare d'Asuka et je crois de Misato qui est à côté enfin je sais plus qui se trouve à côté et euh, il a une érection et il dit ah oui c'est un phénomène de dilatation thermique qui avait permis à quelques minutes avant de combattre euh, un ange en fait en utilisant ce principe là pour le faire euh, faire exploser sa mâchoire donc effectivement euh, je pense que là à la fois dans les tropes et dans la centralité donnée au personnage féminin et à la découverte euh, je dirais sensuelle et on, on est plus dans la découverte délicate je dirais de la, de la sexualité de shinji même si on a des scènes très souvent explicites on est Loin des codes des autres séries qu'on qu a pu évoquer, effectivement. Peut-être que tu veux, tu veux compléter sur cette question de la subversion. Bah. Là, ce qui est assez, enfin, dans le cas d'Evangélion, à la fois Shinji, il y a effectivement tout le long de la série où on parle de, de l'attraction face au sexe opposé, mais il y a aussi une forme de dégoût, parce que et de malaise euh, qui est montré à plusieurs reprises de, de lui-même, ou en tout cas des réactions de son corps vis-à-vis -vis des corps féminins. Et euh, quelque chose qui l'assume pas du tout. Alors effectivement, des fois, on a dans des séries comme euh, Green Lagoon des, des formes, euh, des filles complètement exposées, sans, sans aucun complexe, et euh, les héroïnes, soit n'en ont rien à cirer, euh, soit l'assument totalement. Et là, on a un personnage masculin qui se retrouve dans, dans la position inverse, c'est-à-dire qu'il assume pas du tout sa sexualité. Donc et, étant donné qu'il est censé représenter... Enfin, entre guillemets, euh, le, être le héros ou représenter justement les, les, les pilotes qui sont généralement vaillants et héroïques dans lesquels et potentiellement les, les spectateurs masculins peuvent se retrouver. Il euh, y a une mise, justement, je ne sais pas si les gens se sont projetés dedans, mais qui est très malaisante, justement, euh, sachant que bah, si on, je suis un spectateur masculin et que le, le, le héros masculin dans le, qui est censé... Euh, être le héros de la série euh, me met mal à l'aise, sa sexualité me met mal à l'aise dans le fait de, de, de reluquer les filles, ça, ça en dit long justement sur le personnage et la vision qu'a Ida justement de ces personnages-là, alors que dans d'autres séries, les héros masculins reluquent sans complexe les femmes, alors que là c'est tout l'inverse. Complète peut-être, je, je t'avais donné l'image, je ne sais pas si tu l'as mise. Je pense qu'elle est assez significative, celle où c'est une des premières rencontres de Shinji euh, dans l'appartement de Misako et euh, elle boit des bières et elle enlève la bière et on s'apprête à dévoiler euh, le sexe de Shinji mais c'est remplacé par une autre bière. Et c'est assez intéressant de voir que justement ce geste de dévoilement-là il est effectué par une femme, une femme plus âgée et souvent Shinji va se retrouver dans cette position en fait de découvrir malgré lui sa sexualité au travers de femmes qui sont des personnages de femmes fortes. La plupart du temps, et qui ne sont pas justement victimes du male qu'on retrouve dans, dans les autres séries. Voilà l'image voilà voilà. Mmh. qui résume bien la, la scène. Si vous voulez, je vous propose, on, on conclut en, en parlant de ça. On utilise ça comme conclusion et je saute l'extrait là, je vais le Très bien. On en a pour encore 3-4 petites minutes, 5 minutes grand max, un extrait un peu plus long et ensuite on, on conclut. Et ensuite on vous, on vous passera le, le micro. Ne vous inquiétez pas. Alors dernier extrait, euh, celui-là pareil, il fallait que je le passe. Euh, extrait donc de l'attaque des Titans, où euh, donc le jeune Eren euh, va être euh, donc voilà, on est à l'épisode 4, il se fait croquer par un Titan. Donc adieu les rêves, euh, les rêves de sauver l'humanité et de devenir le héros euh, de, de son monde. Bah, il va se faire croquer aussi bêtement que ça et il va être, euh, voilà, sans jambes et sans bras, euh, dans l’estomac le, d’un titan. Alors, comme dernier extrait, je crois qu'il qu synthétise euh, pas mal de choses euh, qu'on a vues pendant ces deux heures. À la fois euh, le doute, le doute d'Eren, de, euh, qui n'est finalement pas le, pas le sauveur euh, qu'il aurait aimé être. Donc, en tout cas, cette, voilà, cette figure de l'élection dans le monde des humains, bah, en tout cas, elle n'est elle est pas là, vu qu'en fait, bah, il se fait croquer vraiment très rapidement. Alors, en tout cas, on a un retour de la figure de l'élection, puisqu'il est le seul à, à pouvoir se transformer en, en titan. Alors, je parle de transformation, mais voilà, on est toujours encore une fois sur cette porosité-là. On est bel et bien dans, dans du méca, puisqu'il y a une présence même de RN dans la nuque. Et, euh, et voilà, on est, euh, on est euh, Alors, il y a cette, cette importance aussi des parents. Ça, on peut, on peut encore peut-être l'évoquer rapidement. Euh, cette présence des, des, des parents, puisque euh, toute la série va se construire sur le deuil de la mère qui est croquée au premier épisode. Et, euh, et donc voilà, on est vraiment dans cette, euh, cette construction-là. Alors en plus, notamment de, du Neketsu, où euh, on est sur ce, ce, ce motif de la vengeance, euh, où le personnage doit devenir toujours plus fort, et voilà, on est vraiment dans, dans, dans les, les récits, dans les codes classiques du shonen. Mais, euh, mais voilà, est-ce qu'on euh, est qu peut un peu revenir à la fois sur cet extrait et, et, et un peu sur cette question de l'adolescence, de qu'est-ce que c'est que devenir adulte dans, euh, dans un robot animé Je rebondis seulement sur ce que tu disais sur le, les parents. Euh, ça, c'est effectivement un thème qui est prégnant dans toutes ces séries. Euh, Evan on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on vous invite justement à regarder la série, mais le rapport au père est extrêmement conflictuel, vu que c'est bien malgré lui que Shinji est amené, notamment par son père, à monter dans le mecha euh, dans le premier épisode. Euh, la question du père qui va être soit euh, une entité qu'on veut dépasser, qu'on veut combattre au risque de devenir comme elle, ou alors qu'on doit égaler dans Eureka Seven, c'est un gros problème que d'avoir un lignage extrêmement. Euh, Extrêmement pesant de celui d'un père qui est un héros. Et la question de la mère n'est pas laissée de côté non plus dans toutes ces séries. C'est un vrai, une vraie problématique qui est en miroir aussi avec celle de l'éveil de la sexualité. Donc, à la fois comme héritage ou comme conflit, la présence paternelle, elle est essentielle en miroir avec, euh, avec le méca. Après, je ne sais pas si tu veux compléter ou peut-être commenter l'extrait. Alors effectivement, pour rebondir ce que disait Fleur, il y a beaucoup, beaucoup de séries de méka où la question du parent, soit les parents n'en parlent absolument pas, ils n'existent pas, soit effectivement ils sont absents parce qu'ils sont soit morts, soit défaillants, comme effectivement le cas de Shinji. Et il y avait effectivement la question du père, comme je disais, avec le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, le fait que les parents échouer ou ne sont pas là ou ont péri durant une attaque ou quoi que ce soit et le fait que les, les enfants doivent justement dépasser ce traumatisme ou faire mieux qu'eux voilà et c'est vrai que l'intérieur d'un cas c'est toujours l'occasion de, de revenir sur ce, cette réflexion par rapport aux parents mais cette réflexion par rapport à soi on a l'impression que des fois l'intérieur d'un méca, le, le, la cabine de pilotage est un, un endroit d'un microcosme de réflexion sur soi-même euh, de réflexion sur soi, sur les autres, euh, sur bah, effectivement la, la parentalité ou l'absence de parents qu'on n'a pas eu. et, et et donc c'est vrai que y a, dans le cas d'Evangélion il est très très connu pour le côté justement psychoanalytique, psychodrame on va dire très poussé par rapport à d'autres séries où justement souvent l'intérieur le, 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 du mecha c'est le paroxysme émo, émotionnel puisque dans des séries comme Locke ils parlent pas ils agissent et puis c'est des combats mais dans le truc d'animé japonais c'est beaucoup de, de moments où les gens discutent de face à l'ennemi qu'à la fois ils admirent et qu'ils détestent, face au père qu'on veut dépasser donc c'est toujours l'occasion d'un d'un monologue du héros face à lui-même ou, à, ou, à, ou à un dialogue avec les autres. Il ouais, y, y a cette question donc euh, euh, de la maternité, donc du rapport au, aux parents, et puis oui c'est cette question des scènes euh, donc introspectives vraiment dans les cabines. Et, euh, et pour le coup oui il y avait cette, cette question que tu ce, ce, cette chose que tu évoquais tout à l'heure c'est qu'en fait le, 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 euh, le on, souvent il y a cette question du liquide dans la cabine de pilotage dans Pacific Rim dans Evangelion. Euh, J'ai un autre exemple qui m'échappe, mais, euh, mais on est souvent sur cette question de de la de la gestation en fait. Souvent sur cette question que le pilote est en gestation d'un méca, et euh, alors on peut le voir à la fois dans la différence d'échelle donc du, du, de l'enfant dans un corps d'adulte, mais aussi donc de euh, d'un méca qui euh, qui un d'un pilote adulte. De donc il y a cette question de, de 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 la ouais de la gestation vraiment. Et, euh, et du coup, euh, je, voulais, euh, je voulais vous interroger justement pour, euh, pour vraiment conclure là-dessus, sur cette, sur cette question de, 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 du rite de passage. Est-ce que du coup sortir du mecha, ou en tout cas à, euh, conquérir son mecha, ou en tout cas devenir son mecha, ou en tout cas atterrir à une, à une, à une forme de symbiose, est-ce que c'est une forme de nouvelle naissance il y a quelque chose fondamentalement, effectivement, du ce qu'on appelle la mythologie personnelle ou le mythe fondateur, où le méca va être en fait un, un adjuvant, un moyen d'atteindre une renaissance à soi, à partir du moment où on accepte en fait d'avoir été élu et donc de quelque part de changer de statut dans la société, de plus être un, un jeune shinji mal à l'aise, prépubère et pas bien dans sa peau, on va atteindre un autre stade par le biais de ce méca qui est effectivement une force de destruction mais d'engendrement pour celui qui habite cette cabine, qui est à la fois matrice, euh, qu'espèce de cabine de l'inconscient, effectivement de, de zone de gestation euh, qui fait un peu office de tout ça. Mais je pense que vraiment l'idée de mythologie personnelle, mythologie fondatrice de l'individu qui ressort transfiguré, presque du méca, il y a quelque chose de quasi christique. C'est effectivement un, un trop récurrent et effectivement dans Evangelion qui a servi de, de fil rouge tout au long de cette présentation. Non, je faire enfin, grosso modo, je suis assez d'accord avec Fleur sur tout ce qui a été dit précédemment il euh, y a effectivement une, une synthèse euh, du robot géant sur le fait que on a, euh, ça aide à devenir adulte même dans des, des filles, j'étais en train de penser à Colossal même s'ils sont de jeunes adultes le, le fait de, de se prendre en main de l'héroïne justement, de se remettre dans le droit chemin d'arrêter de boire, d'être responsable de trouver un travail, il y a une forme de, de devenir adulte, de se sortir d'une relation euh, toxique avec quelqu'un de grandir finalement puisque dans le côté de Colossal, bon ça tire pas mal sur le kaiju mais euh, le fait que d'être plus grand et d'avoir encore plus grand euh, entraîne d'avoir de plus grandes responsabilités, globalement, puisque le, quand elle est petite et qu'elle boit, ça fait pas de mal, mais quand elle se rend compte qu'elle est un une espèce de caillou géant, bah, les, les proportions de, de, bah, de ce qu'elle fait, prend, bah, en gros, elle détruit, je crois, Séoul à plusieurs reprises. Donc ça a fait, quand on est plus grand, on a de plus grandes, ça, ça, ça a de plus grandes conséquences, globalement. C'est le cas aussi de... Bah de, de Jason Sudekis qui lui incarne une sorte de, de mecha, lui à contrario. Donc a, on revient un peu comme Pacific Rim, mecha, kaiju. Mais euh, là, il y avait vraiment ce fil rouge, justement, de devenir adulte, même si on l'est déjà, il faut quand même continuer à le devenir. Prendre ses, respons voilà. ses responsabilités. Alors, du coup, je vous mets une petite image de Shinji qui est triste histoire de, de conclure correctement. Donc voilà, merci d'avoir en tout cas, euh, euh, je veux dire, tenu le coup euh, aussi longtemps euh, pour euh, qu'on essaye de brosser un peu ce portrait-là. Donc voilà, euh, on voulait un peu explorer euh, différentes euh, propositions esthétiques, différents mythes, différents récits. Et, euh, et donc voilà, euh, je vais maintenant vous passer euh, la parole. Donc, si vous avez des questions sur euh, des mechas, si vous voulez revenir sur différents points, donc euh, pour rappel, on a évoqué les questions mythologiques, on a évoqué la question de la guerre et du pacifisme, l'histoire riche du méca, et évidemment la contamination aux autres écrans. Donc voilà, si vous voulez revenir sur un des points, poser une question ou, euh, ou simplement euh, une remarque sur une, une œuvre qui, qui irait vraiment dans cette euh, non, non, tout ce, dans tout ce qu'on a évoqué, euh, voilà je levais la main et je vous, je vous donne le micro merci. Alors bonsoir, déjà merci beaucoup pour en fait cette cette intervention qui était vraiment hyper intéressante. Je connais pas très très bien le sujet, donc je connais surtout en fait l'attaque des titans que j'aime beaucoup. Et euh, du coup, j'aurais bien aimé euh, revenir en fait sur l'attaque des Titans. Est-ce que euh, ce n'est pas un cas un peu particulier dans le sens où euh, Eren semble générer en quelque sorte le Titan. Le Titan est en lui, mais il semble le générer quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là Je trouve la remarque très intéressante. Euh, C'est vrai qu'effectivement, on élargit notre typologie de toute façon en intégrant un être que, qui, de prime abord, est organique et est dans un acte de transformation. Après, euh, je pense qu'il peut quand même parfaitement s'intégrer dans la typologie parce qu'on va avoir très souvent chez les mechas quelque chose qui touche à la fusion, à la transformation, à la collaboration de différentes entités qui se surajoutent l'une à l'autre. Et, et quelque part, est-ce que cette question de la présence du titan en soi ça ne rejoint pas toutes ces réflexions qu'on vient d'avoir sur l'inconscient, sur ce qu'on a au-dedans de soi et qu'on ne veut pas encore assumer jusqu'au moment où effectivement on se transfigure, on se transforme et on assume. Donc quelque part, est, on n'est plus dans une part symbolique de notre étude, mais cette typologie de, de ce qui nous fait peur à l'intérieur de soi et qui va à un moment rejaillir, ça reste un trope persistant dans l'imaginaire méca. Du coup, il y a une forme d'échange, en fait, au final, entre... Enfin, on va dire que Eren nourrit, en quelque sorte, le Titan, et... enfin, en essayant de ne pas spoiler, et euh, le Titan euh, sert également Eren. Donc, on est aussi dans cette idée du parasite. Alors, je ne sais plus comment vous l'aviez appelé. Plutôt, du coup, qui... d'un mutualisme ou d'une symbiose, ouais. effectivement. Là, on aurait plus une relation d'équilibre, un petit peu plus, parce qu'équilibre, ouais. le, le contexte est difficile à à décrire comme étant en équilibre, mais, mais chacun retire effectivement quelque chose de cette participation l'un envers l'autre, oui. Effectivement. Pour revenir sur un point où, euh... ou... Ou même ouais. euh, enrichir notre corpus, parce que c'est vrai ouais. qu'on n'a pas tout évoqué euh, ce soir. Est-ce que quelqu'un peut nous citer toutes les différentes séries animées de Gundam <laughs> Ou est-ce qu'il y aurait peut-être un point sur la typologie du mecha qu'on aurait raté qu'on a essayé de brosser très large et de tirer des grands traits. Peut-être qu'il y a une autre piste qu'on aurait laissée de côté qui est significative. Alors, euh, bon, bonsoir, merci déjà pour cette euh, intervention, enfin cette conf. Et sinon, euh, ce que je voulais dire, c'est effectivement, le... enfin, j'ai vu un doc sur Arte, donc euh, c'était sur les Vikings. Et les Vikings étaient les, les, enfin, les seules personnes qui donnaient des noms à leurs épées, et surtout avant d'attaquer, quoi. Et Du coup, ça, ils donnaient des noms assez, assez, euh, assez, euh, enfin redoutables, juste pour effrayer de, ne serait-ce que, que leurs ennemis qu'ils allaient affronter dans, dans les quelques secondes avant, quoi. Et sinon, euh, je, à un moment, vous avez montré des Battle Angel Alita, je ne sais plus quoi, quel autre film. Et du coup, je pensais que vous alliez aussi parler de Osamu Tezuka qui, qui a fait, bon, Astro le petit robot. Mais avant, il y avait aussi un autre manga, je crois. C'était Phoenix où euh, des enfants enfin des bébés étaient euh, éduqués par des des robots et dans ce cas là dans ce manga là c'était je crois un robot femme et ce robot femme euh, réussissait à se transformer en différents objets quoi et donc euh, est-ce que c'était peut-être un des premiers euh, robots mais c'était pas un méca géant Tu je connais ouais. pas Scorpuste toi, Alexandra peut-être alors, je ne connais pas tous les mangas de Zamotezuka parce qu'il en a produit quand même pas mal. Après, pour les trucs du robot, euh, effectivement, moi je pense plutôt à plutôt, mais ça tombe plus dans du, du, du robot euh, que vraiment du, du 100% mecha. Après, pour les questions de, de noms, effectivement, on a, on a plusieurs euh, mechas avec des noms. Alors, soit effectivement, c'est un rapport affectueux parce que Alphonse c'était le nom du chien de l'héroïne dans Pas de Labor. Et euh, d'autres, dans Darling is a Frank, les, les, les Franks ont des noms de fleurs, donc dans le côté effrayant, je pense qu'on a vu mieux. Euh, sinon, si on reste dans le catégorie le robot, en général, les, euh, les robots ont plutôt des noms, style prototype, unité, pour rester justement dans le côté très réaliste. Après, effectivement, dans Bokurano, les enfants le, ont une sorte de petite séance de brainstorming comment est-ce qu'on va rappeler ce robot trop génial Donc ils vont l'appeler Earth z enfin voilà, c'est un, un mélange. Enfin, C'était The Earth, mais prononcé à la japonaise, donc z Earth. Euh, mais il euh, y a toujours le, le fait de, de nommer la, la chose, on va dire, qui est assez, euh, on va dire, quelque part, monstrueuse par moment. Euh, après, euh, pour les, les questions de corpus avec Osamu Tezuka, effectivement, je ne les connais pas tous. Euh, et c'est vrai que certaines des choses qui sont proposées par lui ou par d'autres sont, sont assez floues, parce qu'en même temps, Zinogreza, c'est comme on dit, c'est le, le père, le dieu du manga moderne. Donc c'est le premier à avoir proposé des, des choses euh, qui ont plus ensuite ont, ont pas mal évolué. Euh, donc effectivement, comme on se retrouve avec des, des proto personnages ou des proto mécas, qu'on pourrait les appeler des, des archétypes, qu'on va retrouver plus tard. J'imagine qu'on peut considérer que certains d'entre eux peuvent être vus comme des, des, des ancêtres des mécas actuels ou de certaines typologies de, de robots ou autres. Enfin, en tout cas, c'est des, des allitérations, des propositions euh, à dire, euh, modernes du début, avant l'arrivée de la postmodernité et, et la remise en question de ces mécas-là. Est-ce qu'il y a encore une question Ah, j'arrive. Euh, euh, bonsoir, bah, merci également pour cette intervention euh, de ce soir, vachement bien. Euh, Moi je voulais savoir euh, à l'heure actuelle euh, la place du méca dans euh, bah, la culture euh, japonaise et au-delà. Euh, finalement, il y a eu à un moment donné, plutôt dans les années 80, euh, peut-être même avant, une, une effervescence de ce type de contenu. Euh, et je voulais savoir maintenant comment le genre avait pu se renouveler bon voilà on a vu